La chambre. Asseyez-vous, s'il vous plaît. On s'excuse du retard que nous avons eu, cela étant dû à quelques difficultés techniques pour la mise en marche de la visioconférence. Cela étant, nous allons vérifier si au niveau du Tchad, de N'Djamena, tout est fin prêt pour qu'on puisse débuter cette visioconférence. Oui, le Tchad est prêt. Bien, le Tchad est prêt. Est-ce qu'on peut savoir la composition au niveau donc de la salle où se tient la conférence? Est-ce que les parties qui sont présentes au niveau donc des salles peuvent se présenter? Oui. Moi, ce monsieur a passé l'informaticien chargé du bon fonctionnement de la vidéoconférence. Je voudrais que à chaque identification de la personne, que la caméra puisse nous montrer cette personne. Donc, on peut poursuivre donc l'identification des personnes. Oui, c'est moi, je suis la victime, monsieur Omar Goudia. Je suis en direct avec vous maintenant. Je n'ai entendu que pour deux personnes, il n'y a que deux personnes. Ana Azhari Ibrahim Moura, Ana Tahiya Mubashir. Je réponds au nom de Mahdi Mamad, assistant du point focal. Bien. Et les autres qui y sont? Qui sont-ils, les autres qui sont dans la salle? Je réponds au nom de Benaya Outmane Issa, assistant du point focal. Ok. Et c'est fini. Abdelaziz Adam. Témoin. Abdelaziz Adam, parent des victimes Hassan Ibrahim. C'est un autre témoin victime? Non, c'est un parent des victimes Hassan Ibrahim. Il l'a juste accompagné. Okay. En fait, c'est le public, quoi. Pas d'observation particulière, monsieur le procureur, pour qu'on puisse démarrer la visioconférence.
Les deux témoins sont sur place. Bien. Le second témoin, est-ce qu'on peut l'amener dans une salle différente? Oui, c'est mieux. C'est normal parce que pas tout le monde. Bien, avant de commencer, nous allons vous demander de couper vos téléphones, d'éteindre donc vos téléphones et de rester sur place sans faire de faux mouvements. Autrement, cela va perturber la retransmission et l'audition. Bien, monsieur le témoin, bonjour. Bonjour, monsieur le président. Bien, donc, vous avez été demandé, cité pour venir témoigner devant la Chambre. Oui. Et pour ce faire, on va d'abord vous demander de vous identifier, c'est-à-dire de dire qui vous êtes, vos noms, prénoms, âge, profession, domicile. Ok, monsieur le président, merci. Je m'appelle monsieur Oumar Goudia. Je suis né en 1955. Profession, je suis un homme d'affaires. Tchadien. Merci. Domicile à N'Djamena. Bien, monsieur Oumar Goudia, oui, apparemment vous êtes parti civil là. Oui. Bien, donc en votre qualité de parti civil, nous n'allons pas demander, nous n'allons pas recueillir votre serment, mais nous allons vous inviter à dire à la Chambre les faits, les événements dont vous avez eu connaissance et qui intéressent notre procédure. Donc vous avez la parole pour faire la relation, pour relater tout ce dont vous avez connaissance, des faits qui sont produits au Tchad entre 1982 et 1er décembre 1990 et qui intéressent très particulièrement le dossier dont la Chambre est saisie. Je peux m'avancer ici. Ok, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Je suis arrêté à N'Djamena le 17 avril 1989 à N'Djamena, Angélie. Surtout l'entrée de N'Djamena, monsieur le président, en venant du Cameroun. Je suis un citoyen, je ne suis pas un homme politique. De venir faire mes activités dehors et rentrer. Et voilà, je suis venu à Angélie. Les gens, ils m'ont arrêté à partir d'Angélie. Ils m'ont amené à la direction. Vers 17h, c'était le moment du carême. Ils m'ont appelé, ils m'ont interrogé, ils m'ont dit, bon, monsieur Goudia,
Vous pouvez rentrer chez vous, vous venez à 22h. 22h. J'ai dit 22h, je préfère que je vais attendre jusqu'à 22h. Non, il faut partir de revenir. Je suis rentré chez moi, monsieur le président. J'ai fait les prières, j'ai coupé le carême. À 22h, je me suis rentré chez eux, là-bas, comme ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, bon, écoute, vous venez d'où? Je viens du Cameroun. Vous connaissez tel, vous connaissez tel, vous connaissez tel. J'ai dit, non, écoutez. Ces mots-là, vous me demandez là, ces gens-là, il n'y a personne qui ne les connaît pas. Vous me demandez, vous connaissez Idriss, vous connaissez Hassan Yamouz, vous connaissez tel, tel, tel. J'ai dit, écoutez, ces gens-là, hier, ils sont là avec nous, c'est tout le monde qui les connaît. Si vous me demandez autre chose, vous me demandez, sinon, je ne connais pas. Ils m'ont mis à l'écart. Après, ils m'ont remis mon passeport. Ils m'ont dit, vous pouvez rentrer chez vous. C'était à 23h50. Je suis rentré chez moi. Dormir chez moi. Après trois jours, les militaires qui débarquent chez moi. Avec une histoire à moi, c'est presque 5 ou 7 Toyota. Mon cour est plein de militaires. Et voilà, ils sont venus me dire que, écoutez, on a besoin de votre pistolet, on a besoin de votre passeport, on a besoin de ça. Et tout. J'ai dit non, je n'ai pas de pistolet, moi, je suis un citoyen civil. Bon, on va aller dans mon bureau. Ils sont partis chez moi. Une minute. Demandez au point focal ou au représentant du point focal de faire en sorte que dans la salle, il n'y ait pas de bruit. Vous m'écoutez, monsieur le président? Oui, je demande qu'on dise au point focal, au représentant du point focal, de faire en sorte que il n'y ait pas de bruit dans la salle dans laquelle vous êtes en train de faire la narration du récit. Sinon, cela interfère également sur votre narration, parce que ça interfère sur l'audition. Je veux qu'il y ait absolument du silence dans cette salle. Voilà, vous pouvez continuer. Merci, monsieur le président. Allô, je peux continuer? Oui, vous pouvez continuer. Ok. Alors, les gens, ils sont débarqués chez moi avec un tas de militaires. Et après, ils m'ont conduit chez moi au bureau où ils ont fouillé les bureaux. Ils n'ont rien trouvé. Et ils m'ont conduit à la DDS. Ils m'ont préparé un cellule. Et je suis parti là. Ils m'ont gardé là-bas. Pendant 13 jours, je suis dans une situation, monsieur le président. Je suis dans une petite cellule qui faisait 1,50 m sur 1 mètre. Vous me suivez, monsieur le président? J'ai aussi parfaitement. Très bien. Alors, j'étais sur 1,50 m sur 1 mètre, monsieur le président. J'étais resté pendant 13 jours dans cet endroit. Les 14 jours, ils m'ont préparé un bon cellule pour la torture. Quel genre de torture, monsieur le président? Quel genre de torture, monsieur le président? Toutes sortes. Torture, l'électricité, les frappes, attachées de quelque sorte, toutes sortes. De 9h du matin jusqu'à 15h du soir, je suis en carême. Après ça, ils m'ont pris, ils m'ont jeté au souterrain. Au souterrain, monsieur le président. Dans une chambre
J'ai vu des gens presque qui sont mourants à l'intérieur. Mais j'ai vu un monsieur que je le connais bien. J'ai le sang qui coule sur moi. Il a enlevé ce boubou, le frère là. Il s'est levé debout, il me fait là. Pendant jusqu'à Isketan. J'étais dans cet endroit. Dans quel endroit, dans quel état, monsieur le président? La chambre est détruite. Il n'y a pas de matin, il n'y a pas de rien, rien. Je ne peux même pas m'asseoir comme ça. J'étais là dans cette chambre-là pendant 21 jours. Après cette chambre-là, parce qu'il y a 10 chambres, 5 et 5, et souterrain. Après cette chambre 1, ils m'ont déplacé sur les chambres 5. J'ai trouvé des gens qui sont avec moi. Interdit de me laver. De me laver, monsieur le président. Il n'y a rien. Si je vous raconte, monsieur le président, c'est horrible. Horrible. Il n'y a pas de WC. Il n'y a rien. Tu n'as pas droit à faire quelque chose. Il n'y a rien d'ailleurs. Tu dégages rien parce que tu manges rien, tu fais rien. J'étais resté dans cet endroit pendant 3 mois. Sur les 3 mois, monsieur le président, il n'y a pas un jour qu'ils m'ont appelé pour me laver et pour me dire qu'il fait ça. Je me lave dans quelle sorte, monsieur le président? Dans quelle sorte, monsieur? Il fait chaud, température élevée. Je me lave comme ça parce que je le sais maintenant là, ils sont poussés. Je me lave comme ça. J'enlève les mains ici. Je fais un port, je mets comme ça. Jusque j'ai fini tout mon corps. Je fais 10 jours, 3 jours, 4 jours. Je fais encore cette lame-là. J'étais resté dans cet endroit-là. Pendant 3 mois. C'est les 3 mois, ils sont venus de me prendre, de m'amener aux locaux. Locaux, je suis parti aux locaux. Ils m'ont amené là-bas. Je pensais qu'il y a des gens de fous là-bas. Ce sont des gens que, si vous les voyez, monsieur le président, vous pouvez avoir peur même. Ils m'ont amené dans un endroit qu'ils m'ont garé. Ils me disent, monsieur, là, ne fais pas aller le voir à côté de lui. Personne qui parle là. Après, ils m'ont amené dans une cellule C. Les cellules C, il y a presque, je peux vous dire combien, monsieur le président. Il y a plus de 100 et quelques ou 200, je ne sais pas. Plein à craquer. C'est ça l'endroit de la place. C'est ça. Ça, c'est la place de la personne qui dort. Si tu veux te changer la place, tu te réveilles et tu retournes comme ça. Je t'ai resté dans cet endroit-là. Et 2 mois, ils m'ont changé, ils m'ont amené. Je suis le frère de Goukouni. Ils ont dans les cellules, encore une autre cellule. J'étais avec eux. Donc, on était presque 3 mois encore là. Le 7e mois, ils sont venus vers 1h du matin. Ils me disent, allez, attachez, allez, lavez-vous. Vers 1h du matin, il affraie les gens d'ailleurs. La personne, il ne sait pas où vous l'amenez. On le mord. Il nous a levés, c'est dans la 404, la fomèse 404 Picop. Il nous a mis à craquer. Il nous a amenés à un endroit qui s'appelle la gendarmerie. Il nous a déposés là-bas. L'endroit, il y a des endroits, dedans et dehors. Des militaires qui sont restés sur la porte. Personne qui rentre, c'est dignant ici. Quand il s'est rentré, il dit non, restez là. J'étais resté avec le frère du président Goukouni, avec lui. Là, dans cet endroit, on était resté. On n'a pas droit de sucre. On n'a pas droit de pain. On n'a rien droit.
c'est des fameuses, leur boule-là, direct comme ça, un pas de ça. C'est ça. Allô? On vous entend. Ouais. On vous entend. Vous pouvez continuer. Ah, maintenant, le son est parti. Le son est parti. On vous entend très, très, très faiblement. Est-ce qu'au niveau de la technique, on peut faire quelque chose? On peut y remédier? S'il vous plaît, arrêtez. On va essayer de résoudre les problèmes techniques et puis on reviendra à vous. Monsieur le témoin. Abassi? Abassi? Abassi est sorti. Abassi? Abassi est sorti. C'est quoi le problème? Abassi est sorti. Il a tout ça à faire et qu'est-ce qu'il a fait? Allô? Oui, on vous attend. Allô? Oui. Non, non, c'est Adrien. On ne vous entend pas à Dakar. Vérifie votre micro. Bien, laisse-moi voir. Allô? Allô, monsieur, ça va? Allô? 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 Allô, monsieur Mustapha? Allô? Oui. Oui, monsieur Mustapha. Oui. Allô? Oui. Je vous attends bien. Ok. HPV. Monsieur le témoin. Oui, monsieur le président. Vous pouvez reprendre votre narration. Bien, monsieur le témoin. Il peut continuer. Oui, il peut continuer. Oui, monsieur le président. Oui, vous pouvez continuer. Bon, monsieur le président, merci. Donc, j'étais avec le frère de Goponi, on était ensemble. On était restés parce qu'on est arrivé ici à 7 mois. Donc, après 7 mois, on était restés 14 mois, on était ensemble. 14 mois, on était ensemble. Avec quelle situation, monsieur le président? Les gens, ils viennent ici qui racontaient leur vie. Non. Moi, c'est pas ça pour moi. Moi, ce que j'ai dit, c'est que j'ai dit la réalité des choses. Toutes les souffrances sont passées, terminées. On attend les bons dieux qui nous vont récompenser. Mais on dit ce qu'on a vu. Vous nous demandez. Merci, vous nous demandez. Ce qu'on a vu, on va vous dire. Monsieur le Président, j'ai lu dans les journaux, dans les livres, dans tous les prisons du monde. Mais je n'ai pas vu cette gamme de prison. On est presque 1100 personnes dans cette prison. Le 1100 personnes qui l'amènent une vie peu de vaurien pour 1000 personnes. Ils vont
partager les trucs comme ça. Je sais que vous voyez, monsieur le président. Est-ce qu'il y a plus? Malheureusement, on ne voit pas ce que vous êtes en train d'identifier. Par votre bras, on ne voit pas. Ah bon? Voilà. Dommage. Bon, c'est un petit morceau. Puis même pas, il ne présente rien du tout, monsieur le président. De chacun. Si tu l'as pris aujourd'hui, tu n'as pas droit encore de l'avoir, pas avant 10 jours. Monsieur le Président, on a vu des choses horribles et passées. On était resté dans cet endroit, avec quelques genres de conditions. On était dans une cellule qui n'a pas de WC, il n'a rien. Il nous enferme à 16 heures. De 16 heures, tu n'as pas le droit de faire des papiers, à moins que le matin, à 8 heures. Vous voyez, monsieur le président, quel genre de choses on a vécu. On était restés. Ceux qui sont partis, nos amis, nos frères, nos, tout ça, là, monsieur le président. Alors, je suis une victime directe. Qu'est-ce que je fais? Je suis un homme d'affaires. Je suis un opérateur économique. Je n'ai rien fait de la politique dans ma vie. Pourquoi? Rien. Comme ça, il faut le malmener, il faut le torturer, il faut le faire ceci. Pourquoi ça? J'étais là comme ça. C'est mes enfants qui m'ont enlevé. C'est mes enfants et le bon Dieu qui m'ont enlevé. Depuis qu'ils sont sortis de prison, j'ai fait presque 14 enfants. Si ce n'est pas ces enfants-là, je ne sors même pas, monsieur le président. Alors, vous voyez, dans un état de... On dit que dans un état... Maintenant, le monde dans un état de... Dans quel genre, comme ça? Vous voyez? Mais je n'ai pas perdu de l'argent. Rien. Rien. J'ai de l'argent dans mon compte. Le jour que je suis arrêté, il n'y a personne qui a prescrit cet argent dans mon compte. J'ai 450 millions dans mon compte personnel. Ni crédit, ni rien. Ils ont fait des chèques. Chèques de 150 millions, chèques de 80 millions, ils m'ont amené pour signer. Et vous êtes libéré. Vous êtes le 7 juin, 80, le 7 juin, de la fête du 7 juin, que vous êtes libre. Le président qui vous a libéré, que vous partez chez vous. Et avec les chèques qu'ils m'ont amené. J'ai dit, écoutez-moi. Bien, il faut me suivre. Bien, je suis en prison. Mais, il ne faut pas oublier que je suis en prison. Depuis le premier jour qu'ils m'ont arrêté, moi, mes enfants, mon argent, tout ça dans les mains d'État. Ce n'est pas dans ma main à moi. Si je signe, est-ce que c'est valable? Monsieur le Président, vous m'écoutez, je pense. Non seulement le président vous écoute, mais tous mes collègues qui sont à côté vous écoutent. Toutes les parties, à savoir le procureur général, la défense et les parties civiles, tous vous écoutent, plus le public qui est là. Tout le monde vous entend. Très bien, monsieur le président, je suis très satisfait. Alors, ils m'ont fait le chèque, deux chèques, qui m'ont amené pour signer. Pourquoi? Parce que vous êtes libre, vous signez ça. Ça, c'est, je sens que c'est les gens de tortionnaire, c'est des trucs comme ça. Moi, je dis, écoutez, moi, je ne signe rien. Parce que si je signe ma mort. Je dis que je n'ai pas droit à vous donner quelque chose. Et ce n'est pas valable. Je dis que si vous prenez les chèques, vous amenez à la banque, ce n'est pas valable. Il dit, non, c'est valable. Je dis, non. Pour ces deux chèques, deux semaines de torture. Deux semaines de torture. Pour que vous faites ces chèques-là, il faut signer. Parce qu'il y a l'argent dans la compte. C'était plein. J'ai dit que mon signataire n'est pas valable. Si je signe, non, on va récupérer ça. J'ai dit, je ne signe pas. C'est la torture. Pendant deux semaines. Dieu merci. Je suis sorti de prison. Je suis parti chez la banque vérifier. Je
n'ai rien perdu, monsieur le président. D'ailleurs, si la banque a payé à ces gens-là, je veux suivre la banque. Mais il n'a rien perdu. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de chèques qui sont présentés. Il n'y a rien. Alors, je suis sorti sans SF, merci. J'ai dit, trouvez mon argent dans mon compte. Alors, monsieur le président, voilà la situation que je fais. J'ai en train d'écrire un livre. Dans cette situation, dans cette calvaire que j'ai vécu. Dans quel genre que j'ai vu que Dieu. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez préciser quand est-ce que vous êtes sorti? Je suis sorti le 1er décembre, monsieur le président. 1er décembre 90. Le jour d'arrivée d'un PES qui est arrivé pour libérer tout le monde de prison, les gens ils ont venu nous chercher dans la prison. Moi, j'étais enfermé dans une cellule, les gens ils m'ont laissé. Avec trois personnes, on est là. Ils sont venus taper la porte. Hey, écoute, il y a tout. Il y a des gens, oui. C'est qui? Je dis que c'est moi, oui. Hey, les gens, ils sont partis, ils ont fui. C'était vers 6h. Hein. Ils ont cassé la porte. Je dis, bon, s'ils ont fui, il faut casser la porte. Casser la porte. Ils ont cassé la porte. Le m'enlevé. Sorti. J'ai rejoint les gens qui sont en train de sortir avec eux. On courait parce que partir, parce qu'on a peur, parce qu'on dit qu'on va retourner, ils vont retourner encore pour qu'ils vont nous prendre ou bien ils vont nous fusiller. On est parti, on a caché quelque part, presque jusqu'à 10h, 11h, pour qu'on entende bien qu'est-ce que réellement qu'ils sont sortis. Parce qu'ils sont se cachés ici, ils vont venir encore chercher. Jusqu'à 11h, la famille cherchait, ils nous ont pas laissé, ils ont trouvé nos endroits, ils sont venus, ils nous ont fait les cris. On est parti à la place. C'est la fête de la famille, même. C'est la fête de tout le monde. D'accord. Mon arrestation à Yamena, président, ça fait un boom à tout le monde. Des gens qui me connaissent, je suis un homme de la place. Je n'ai pas de problème avec des gens. Je n'ai oublié personne qui m'a envoyé. Bien. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire justement, oui, en votre qualité d'opérateur économique, d'homme d'affaires et de commerçant, dans quel domaine vous interveniez? Bon, moi je m'interviens, monsieur le président, sur le domaine d'alimentation. J'importe les riz, j'importe la farine, j'importe la sucre. D'une grande quantité. Okay. En Yamena, ici. Hein. Et j'ai des camions de transport, des citernes, pour qu'on transporte avant des Douala jusqu'à Yamena, ici. C'est ça mon domaine, monsieur. C'est mon commerce, un commerce libre. D'accord. Et transparent devant tout le monde. Voilà. Ok. Et vous dites que des gens sont venus vous arrêter. Est-ce que vous vous souvenez encore de ces personnes qui sont venues vous arrêter? Étaient-ils en civil? Étaient-ils en tenue militaire? Et c'est qu'ils vous ont arrêté plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Bon, les gens qui sont venus à la maison, d'ailleurs, d'abord, ce sont des militaires. Et la DDS est acheminée avec les DDS, avec les civils. Les torsionnaires, ce sont des civils qui viennent avec les militaires. Ils sont habillés en civil, ils sont des civils. Hein, après, ils portent le thème, ils sont venus avec un tenue civil, mais les militaires. Et c'est chez moi, si vous avez vu chez moi, monsieur le président. Ils sont venus, un militaire, un nombre, pas avant des nombres de 30 ou 40 personnes. Chez moi, à la maison. Après, ils ont laissé 10 militaires qui sont là. Pendant 13 mois, ils sont chez moi, 13 militaires, armés, jusqu'au temps. Leur manger, même qu'ils vont l'amener du camp là-bas. Ils sont là, sur mon véranda. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Avec leur couchage. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans votre maison? Qu'est-ce qu'ils faisaient dans votre maison? Ils sont là comme ça. Ils ne faisaient rien, ils sont là. Si vous venez chez moi, vous me connaissez, vous rentrez chez moi pour me demander mes enfants, pour leur dire bonjour, ils vont vous donner. Vous partez où? On part voir les enfants de Omar. Et qu'est-ce qu'il y a avec Omar? Non, Omar, là, c'est un ami qu'on les connaît, et tout ça. Là. Allez-y, amène la carte. Il prend la carte. Il va aller, il ne peut même pas rester deux minutes.
Et Sali, il avait couru seulement. Il sort, il prend la carte d'identité, il taille. Il ne revient plus chez moi encore. Il ne revient plus encore chez moi. C'est comme ça qu'ils sont restés pendant 13 mois. Chez moi, une torture morale aux enfants, aux femmes, aux amis. Voilà. Et dites-moi, monsieur le témoin, quand ils vous ont pris, quelles étaient les questions précises qu'on vous posait? Quelles sont les questions précises? Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Bon, ils m'ont posé parce qu'il y a Hassan Diamouz, la femme d'Hassan Diamouz, avec ma femme, ce sont les mêmes permanents. Okay? Est-ce que je mène dans cette histoire de militaire là-bas, lui? Moi, je suis civil ici. Qu'est-ce qu'on peut mélanger entre lui-là et lui-là? Lui-là, il a fait ça, c'est pas mon problème, moi. Est-ce que ça? Il m'a posé des questions, Idriss Déby, bref, et donc. Mais est-ce que je leur dis que, écoutez, mon bien, je suis un opérateur économique connu de la place mondialement. Pourquoi vous me posez des questions? Donc, voilà les choses qui mélangent les choses du Tchad, monsieur le président. Et c'est comme ça que tout le monde qui sont disparus, ils sont morts, des choses comme ça. Des gens, ils ont des problèmes de pension. Ils ont des problèmes de personne à personne. Il y a des gens, ils ont des problèmes de canton et canton. Il y a des gens, ils ont des problèmes de femme parce qu'il a marié la femme de terre. Ils se profitent pour venir faire comme ça. Donc, les Tchad, c'est comme ça. Monsieur Omar Goudia, vous dites que votre épouse est la sœur de la femme de monsieur Hassan Diamouz. Oui, il a la grande. Oui, la grande sœur d'Hassan Femme Diamouz. Depuis et ma grande femme, ma grande femme. Et qu'est-ce il que, a des enfants. Et qu'est-ce vous, excusez, qu'est-ce qu'ils vous ont posé de manière très précise comme question par rapport donc, à cette filiation? Est-ce qu'ils ont tiré conséquence pour vous demander si vous avez aidé ou qu'est-ce qu'ils vous ont posé comme question de manière très précise? Bon, président, monsieur le président, d'abord, tu sais, les gens-là, ils sont honnêtes bien. Moi, je ne suis pas là, le moment que ces gens-là qui sont sortis. Je ne suis pas au courant. Personne qui m'a interrogé. Je suis dehors du cadre. Dehors. Et d'ailleurs, si je sais que je fais quelque chose ou je suis complice, je ne viens pas. Je ne viens pas, je m'énerve, monsieur le président. J'étais dehors, il s'est venu. Il me pose des questions. Là, ça y avance. J'ai dit, il était avec vous ici, à Saint Diamos. Il était le chef d'état-major ici. Vraiment, il était le ministre de l'Intérieur. Il est responsable de la DDS. Comment vous posez mes questions bêtes? Et j'ai dit que cette question bête, alors, cette question que j'ai dit bête, je payais le bête là, les tortures, tapage. J'ai dit, c'est une question bête, il n'a pas de sens. Vous leur avez dit que c'est une question bête. Hein? Vous leur avez dit que ce sont des questions bêtes. Oui, mais je dis que c'est une question qui n'a pas de sens. Est-ce que vous voyez que c'est une question de sens, monsieur le président? Mais moi, je ne sais pas. Parce que je vous connais beaucoup. Non, mais c'est une question qui n'a pas de sens, monsieur le président. Pour moi. Parce que bon, je connais la personne, ils vont me poser une question parce que c'est tel, monsieur le président. Voilà les choses, monsieur le président. Ok. Moi, je parle pour moi, monsieur le président. Oui, certainement. Je suis victime directe. Je suis victime directe. Et vraiment, j'ai payé. Si vous voyez, d'ailleurs, j'ai oublié que je vous amène la photo. J'ai une photo qui, le jour que je suis sorti de prison, je me pesais 45 kilos, monsieur le président. D'ailleurs, j'ai montré aux gens en Yamena ici, au procureur. Il est venu ici à dessiner les gens. Je lui ai montré la photo même. Il a vu. Si vous avez vu aujourd'hui, vous m'avez dit non, c'est pas vous. D'accord. Bien. Dès que soit mes collègues ou soit les autres parties, à savoir soit le procureur, la défense ou les parties civiles, auront des questions à vous poser par rapport à votre celui-ci. Oui. Je peux dire un mot, monsieur. Certainement. Les avocats, ils n'ont qu'à me poser des questions normales. Moi, je suis nerveux.
Il me pose des questions normales. Il ne veut pas qu'il me cause tout ce qui, les choses que j'ai vécues. Et j'ai fait, et encore je viens, il va me dire à travers, je ne supporte pas. Monsieur Gouja, je ne peux pas faire des... Monsieur Gouja, écoutez-moi. Je ne peux pas faire des gaffes. Écoutez-moi. Ouais. C'est leur droit, quelle que soit la partie, de vous poser des questions. S'il y a des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre, vous dites que vous ne pouvez pas répondre. Si vous n'avez pas de réponse, vous pouvez simplement dire « je ne le sais pas ». Mais autant que nous sommes ici, chacun veut contribuer à ce que la justice soit rendue. C'est pourquoi lorsque les avocats choisis par M. Hissène Abré ont déclaré ne pas vouloir participer au procès, la Chambre a pris acte. Et comme c'était une obligation pour nous d'avoir la défense, une défense pour M. Hissène Abré, nous avons commis d'office des avocats pour l'assister. Donc, autant que nous sommes, chacun joue un rôle et chacun veut essayer d'apporter sa contribution à ce que la justice soit rendue. Donc, c'est de ce sens-là et uniquement que dans ce sens que les avocats de la défense vont poser des questions. Les avocats des parties civiles également auront des questions à vous poser, à l'effet aussi d'éclaircir leur compréhension et d'apporter une part de lumière à ce dossier. Il en est de même pour le procureur et aussi si éventuellement mes collègues ont des questions à vous poser, ils vous le feront. Ne vous inquiétez pas, la Chambre est là pour veiller à ce que cela se passe dans les règles de l'art. Donc, s'il y a des questions qui vous perturbent, auxquelles vous ne voulez pas répondre, vous dites simplement, vous n'avez pas de réponse. Mais ne refusez pas de répondre aux questions qui vous sont posées. Que ce soit des avocats, je ne sais pas de quelles parties dont vous parlez, mais tous les avocats, autant qu'ils sont ici, en tout cas consultés régulièrement, ont le droit de vous poser des questions. Voilà ce que je voulais en tout cas vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Merci, monsieur le président. Merci. Je vous en prie. Merci. C'est Omar. Hein? Bonjour, monsieur Omar Kouja. Bonjour. Merci. Vous avez déclaré dans votre audition devant les enquêteurs que vous avez été conduit devant Abré. Donc ma question est de savoir où l'avez-vous rencontré et qu'est-ce qu'il vous a dit personnellement, s'il vous a dit quelque chose. Vous avez compris? Comment? Je ne vous ai pas entendu. Je ne vous ai pas entendu, s'il vous plaît. Vous avez déclaré avoir été conduit. Hein? Vous avez déclaré avoir été conduit devant Hissène Abré pendant votre détention. J'aimerais savoir. Non, il ne m'a pas. Non, je ne suis pas parti. Je n'ai pas vu Hissène Abré. Pendant votre détention, vous n'avez pas vu Hissène Abré? Non, je n'ai pas vu Hissène Abré. Je n'ai pas vu Hissène Abré. Pourtant, il ressort de votre procès verbal d'audition par les enquêteurs. Peut-être les gens qui ont comment écrit, mais moi, je n'ai pas vu Hissène Abré. Hissène Abré, d'ailleurs. Qu'il est là-bas, il ne voit pas les gens et tout ça. Votre réponse me satisfait, monsieur. Votre réponse me satisfait, merci. Non. Oui, en fait, la première fois que vous avez été arrêté et interrogé à 22h, apparemment, tout s'est plus ou moins bien passé parce qu'on vous a demandé de rentrer à la maison. C'est bien le cas? Ça, c'est avec le directeur de la DDS.
le directeur de la DDS qui s'appelle Ahmed Aladji. Voilà, donc je constate qu'ils vous ont libéré, mais ils sont revenus vous prendre 3 jours après. Vous ont-ils dit qu'est-ce qu'il y a? Mais vous écoutez. Non, quand même, vous inquiétez et puis vous répondez directement, ça nous permettra de gagner du temps. Vous écoutez et puis vous répondez directement, oui. Ça nous permet de gagner du temps. D'accord. Voilà. Okay. Quand ils sont venus vous reprendre, est-ce qu'ils ont dit qu'est-ce qui a changé entre-temps pour qu'ils vous aient libéré et que 3 jours après qu'ils reviennent vous prendre? Est-ce qu'ils ont reçu, vous l'ont-ils dit, d'instructions ou bien c'est parce que c'est l'exploitation de votre dossier qui a conduit à ce qu'ils reviennent chez vous? Oui, d'accord. Je peux répondre? Oui, bien sûr. Bon, ils sont venus m'appeler la première fois qu'ils m'ont posé des questions. Ils ont décidé de me libérer. Est-ce qu'ils sont libérés? Est-ce qu'ils m'ont libéré? Ils ne m'ont pas libéré. C'est eux qui m'ont dit qu'il faut partir à la maison et le voir. Et ils ont vu qu'ils ont été, bon, ils ont se demandé, ils ont eu des instructions fermes. Il faut aller se prendre ce monsieur-là. Et c'est tout. Moi, je pensais ça, monsieur le président. Et sinon, s'ils n'ont pas reçu des instructions, je pensais, nuit là, à partir de 23h minuit, il ne peut pas me laisser sortir dehors. D'accord, c'est parti chez moi, et 3 jours, qu'ils sont venus par la force, qu'ils sont venus installer la force à la maison, et d'accord, de les prendre. D'accord. Je retiens que quand vous êtes parti, 3 jours après, ils sont revenus vous prendre. Mais ils ne vous ont pas dit, ils ont pas dit au cours de votre interrogatoire qu'ils sont revenus sur la base d'instruction. Ils ne vous l'ont pas dit. Non, ils ne vont pas me dire, monsieur le président, c'est l'interrogatoire. Ils ont bien introduit cet interrogatoire-là, la torture, c'est tout. Ils ne répondent pas à la torture. Ouais. D'accord. Je voudrais aussi vérifier certains de vos propos tenus, parce que je viens juste de consulter vos déclarations au niveau de l'enquête. Vous avez indiqué que votre compte bancaire a été, comment dirais-je, il y a eu des mesures de suspension du fonctionnement de votre compte bancaire. Ouais. D'accord. Ouais. Ils ont, et à la présidence, et à la Et qui à la présidence a donné a ordonné cette mesure? Ah, la présidence, vous connaissez, c'était le président Izenabré. Il n'y a pas un mouche qui bouge sans Izenabré. Donc, quand vous avez constaté que le compte était bloqué, j'imagine que vous vous êtes rapproché du niveau de votre gestionnaire de compte. C'est bien le cas? Oui, j'ai rapproché parce que je suis un client indoutable à la banque. La banque, il m'a informé, il m'a même enlevé les deux signatures. Il y a 2 signatures qui m'ont enlevé même. Voilà celle-là qui vient de la présence et celle-là qui vient de la sécurité. Il a eu peur. Le document qui venait de la présidence émanait de quelle autorité? Est-ce que vous vous rappelez? Le directeur des cabinets de la présidence qui l'a créé. D'accord. Donc c'est le directeur de cabinet. Et même qu'il vient. Donc c'est le directeur de cabinet direct du président. Le président, bien sûr. D'accord. Et celle-là, il vient de la sécurité. Il y a 2 papiers qui sont venus. Et les deux. Et même le directeur. Continuez, oui. Le directeur de la banque, c'est un ami, donc il m'a montré les deux papiers qui sont venus. J'ai vu de mes propres yeux. Monsieur le Président, moi je voudrais vous dire qu'il me reste des bons mois dans la vie, qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Je ne vais pas mentir. Il est là, dans cet état. Non, je vous rassure sur ça. C'est-à-dire qu'il y a des faits qu'on doit vérifier, puis vous devez répondre. Ouais. Avec un état d'esprit que, en fait, il n'y a aucun doute qui est mis sur votre parole, hein, mais il y a des questions auxquelles vous devez effectivement répondre. Voilà. Donc, et le deuxième document, il vient de qui? Le deuxième document qui venait de la sécurité publique, la police. Donc, le président était informé de votre arrestation, alors, pour que son directeur de cabinet puisse écrire. Voilà. Merci beaucoup.
S'il vous plaît. Apparemment, le son est en train... Attendez un instant. On va essayer de régler le problème du son. D'accord. Je vais m'arrêter alors. Et au niveau de... Bon, je crois que... On va peut-être suspendre 10 minutes pour qu'ils prennent le temps de tout régler, pour qu'on puisse revenir avec un meilleur son. Les techniciens, qu'est-ce que vous en dites? On a des problèmes d'audition actuels. Allô? Allô? Djamena? Oui, allô? On s'écoute? Je vous écoute? Ok. Monsieur, continue. Bien. Apparemment, on peut reprendre, monsieur Goudjaouma. Est-ce que vous pouvez faire l'essai en voix? Bon, oui, je crois que c'est bon. Ce que je vais vous demander, c'est d'être beaucoup plus tranquille, parce que lorsque vous faites beaucoup de mouvements, apparemment, ça désaxe les appareils d'audition. Donc, si vous pouvez rester beaucoup plus tranquille, essayez de nous donner la version ou de répondre aux questions de manière plus tranquille. Peut-être que c'est en bougeant que cela... perturbe un peu les appareils de son. Bien. Au niveau des juges, nous allons terminer. Nous allons demander à M. le procureur si d'aventure il y a des questions à poser aux témoins. Je vous remercie, M. le Président. Bonjour, M. Oumar Goudjar. Bonjour, M. le procureur. Voilà. C'est au tour du parquet de poser des questions pour avoir certaines précisions dans votre déposition. Et je vais laisser la parole au procureur général adjoint, M. Diallo, pour les questions. Je vous remercie. Je vous remercie, M. le procureur général, M. le Président. Une question à M. Oumar Goudjar. Vous étiez commerçant, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous étiez bien connu à N'Djamena, dans la capitale? Je peux répondre là. Allez-y. Oui, monsieur le Président. Je suis connu de la place à N'Djamena. J'ai connu de la place à N'Djamena par tout le monde, les petits et les grands. Vous me suivez? Je suis connu par tout le monde ici. Et par quel genre d'activité, quel genre de comportement, avec les gens, tout le monde me connaît. Des petits et des grands. D'accord. Tout le monde. Ce jour-là, le 17 avril 1989, ou le 20 avril, selon, on va revenir là-dessus. Vous reveniez du Cameroun. Et quels sont les agents que vous aviez rencontrés au niveau du pont de Djigel? Bon, à partir de Dengeli, parce qu'il y a un ami qui est avec moi, qui est avec moi, on venait, moi je conduis, c'est moi qui conduis la voiture. On est venu, on a fait la formalité à l'ami. On a fait toute la formalité. Après, on est venu pour monter. Il y a un gars qui est là, qui nous attend, qui s'appelle Abbas, de la DDS, responsable de la fluviale. Il vient, il ouvre la porte, il veut monter. J'ai dit que tu vas où? Il dit que je vous attends. Ah bon? Okay. Elle est montée avec nous. On va aller où? On va à la direction. C'était vers 17h. On est parti directement à la DDS. Leurs chefs ne sont pas là, ils ont appelé par Tokay. Ils ont appelé même pas 3 minutes ou 5 minutes.
sont arrivés. C'était là qu'ils m'ont appelé immédiatement à l'intérieur. Vous venez, vous êtes arrivés, votre passeport, voilà mon passeport. Vous partez manger et vous revenez à 22h. D'accord. Vous pouvez vous arrêter là. Par contre, je n'ai pas compris, il faut peut-être nous donner des explications beaucoup plus précises. Pourquoi vous avez eu cette faveur d'être libéré à votre première arrestation pour qu'on vous demande de revenir un peu plus tard? Est-ce qu'il y avait une raison précise qui pousserait les agents à vous libérer pour rentrer chez vous? Oui, bon, monsieur le président, peut-être qu'il l'a parce qu'il m'a dit. Bon, ben, c'est le monsieur le procureur, il faudra préciser, c'est monsieur le procureur. Excusez-moi, monsieur le procureur, excusez-moi, s'il vous plaît. Le moment que je suis rentré, peut-être qu'il a attendu des instructions. Il n'a pas habitué à me garder. Donc, c'est à cause de ça, peut-être. Moi, je dis. Il m'a dit ça, il faut partir manger. J'ai dit, quel genre de manger? Les gens qui sont ici, là, je vais manger, j'attends. Là. Non, je n'ai pas l'ordre de vous mettre ici. Il faut rentrer chez vous et vous revenez à 22h. Je suis rentré chez moi. Je suis revenu à 22h, comme il a dit. Et 22h, j'étais resté jusqu'à 23h50, comme ça. Ils m'ont restitué mon passeport. Ils m'ont dit qu'il faut rentrer chez vous. Et c'est rentré. Le matin, je fais le tour du monde, le tour du Niamena, le banque, mes clients, tout ça. C'est de là que je vis mes comptes qui sont bloqués. C'est de là que je vis ma situation est en danger. D'accord. Maintenant, je comprends. Je m'intéresse d'abord à votre première interpellation. On vous libère, vous rentrez chez vous. Et subitement, les agents reviennent cette fois-ci en renfort chez vous pour vous arrêter. Oui, quelle explication pouvez-vous donner de ça? L'explication que je vais vous donner, parce que je suis venu, ils savent très bien que moi je ne fouille pas. Ils savent très bien. Si je fouille, je ne viens pas de Niamey. Alors, depuis que je suis rentré, ils sont assurés. Ils sont sûrs à 100% que je ne fouille pas. J'étais là. Mais ils ont fait leur enquête, leur tout ça, à celui-là, parce qu'il faut, l'arrêter. Ils ont décidé comme ça. Et je suis chez moi, je dors un pauvre monsieur, j'allais dans la maison, je dormais le matin à 8h, ils sont venus me débarquer chez moi. Ils m'ont réveillé. Le matin, vous savez, le moment de carême, vers 8h, 8h39, vous dormez à la maison, je dormais. Ils m'ont réveillé, je sors dans la cour, je vois. Oui, d'accord, je comprends. Maintenant, monsieur Goudia, je voudrais savoir, parmi les agents de la DDS, est-ce qu'il y en avait certains avec qui vous aviez des relations, c'est-à-dire vous les connaissiez, vous avez des relations privilégiées, ou bien ce sont des personnes que vous n'avez jamais connues au niveau de la capitale en Niamey? Les gens qui sont venus m'arrêter? Non, les agents de la DDS. Est-ce que vous en connaissez certains? Mais on se connaît, monsieur le président, ce sont des gens connus de la place, ils sont là avec nous tout le temps. Ils sont là avec nous tout le temps, monsieur le président. On les connaît, celui-là le directeur, le directeur adjoint, celui-là le coordinateur, celui-là le coordinateur adjoint, vous voyez même le torsionnaire, tous ces torsionnaires-là, on les connaît, on s'est fréquentés. Ça, c'est avant votre arrestation? Oui, avant notre arrestation, ce sont des gens comme nous, ils sont là à Niamey, qui sont en train de frustrer les gens comme ça, ils rentrent à droite, à gauche, comme ça, c'est comme ça qu'ils ont commis de tous ces gaffes-là. Est-ce que vous pouvez en citer les responsables de la DDS que vous connaissiez avant votre arrestation? Comment? Est-ce que vous pouvez en citer nommément? C'est intéressant pour vous, monsieur le président, je vous dis ça. Oui, je voudrais bien savoir. Oui, le directeur, c'était le directeur Ahmad Arati, qui vous, peut-être que tous ces gens qui sont défilés, qui ont dit, peut-être, vous êtes avec moi? Oui, je vous entends. Je vous écoute. Oui, peut-être que les autres, les coordinateurs adjoints, un coordinateur qui s'appelle Nyamoto, qui s'appelle Maman Djibril, qui s'appelle les gens qui s'appellent adjoints, tout le monde, c'est ça. C'est ça que je me suis présent.
Ces gens-là, ils vivent avec nous, ils sont là avec nous. Donc, selon vous, on vous a arrêté parce que, vous écoutez bien ma question, on vous a arrêté parce que vous étiez Zagawa ou bien parce que vous étiez un commerçant bien connu de la place? Qui vous a dit que je suis Zagawa, monsieur le président? Je suis un Tchadien, comme tout autre. Qui vous a dit que je suis Zagawa? Moi, je n'ai pas nommé que je suis Zagawa, monsieur le président. N'est-ce pas? Bon, si vous voulez que c'est ça, si vous voulez que c'est ça, je suis Zagawa, et les Zagawa, ils ont sorti de ils se navraient, qui sont avec lui, ils sont partis, et donc celui-là aussi, c'est un homme d'affaires de Zagawa, il faut l'arrêter. Si vous voulez, c'est ça. D'accord, d'accord. Sinon, moi, je ne vais pas vous rentrer dans cette histoire-là, mais c'est ça. C'est ça, monsieur le président. En fait, je le dis, je dis que vous êtes Zagawa. Ce n'est pas parce que c'est une question qui est venue comme cela. J'ai vu dans les documents de la DDS que vous êtes fiché parmi les Zagawa. Justement, je suis Zagawa 100%. Voilà. Je suis Zagawa parmi les Zagawa. Je vous dis une chose, monsieur le président. Je suis Zagawa 100%. Mais je suis né dans cette ville-là. Je suis avec les gens, avec tous les couches du chat. Oui, on n'a pas de discussion. On est là comme ça. Après les gens qui sont sortis, c'est de là que celui-là est dehors. Il faut l'arrêter. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont mis avec les dehors. Et en plus, monsieur le président, je vous dis une chose. La prison d'Izenabré, il y a presque 1000 et quelques personnes que je vous dis. C'est bon. Allons-y doucement. Okay. Question, réponse par réponse. Maintenant, je voudrais savoir. Je voudrais savoir votre date d'arrestation. C'était le 17 1989. Est-ce que votre arrestation est liée à l'événement du 1er avril 89, ou bien on vous a arrêté parce que vous étiez un grand commerçant du Tchad, au niveau du Tchad? D'accord. Non. Je suis arrêté. Ils m'ont arrêté, arrestation, parce que pour le mois d'avril, les gens qui sont sortis de Genève, qui sont partis, et celui-là, il est Zagawa. Si on l'a laissé, c'est pas bon. Et sinon, je vous dis, monsieur le président, je suis le militant des Zenabré. Militant des fans, moi. Militant des fans de son parti à lui. Moi, j'étais le militant. Je suis sorti jusqu'au Cameroun. J'étais resté pendant 3 ans à attendre les Zenabré qu'il arrive à Niamena. Il y a le Gounte, le Gougouni à Niamena. J'ai des intérêts avec Gougouni. Ils m'ont proposé, j'ai dit non, je ne viens pas. Je vais rester attendre Zenabré. Jusqu'à Zenabré, il est venu. 7 juin 82, moi, je suis rentré après ça, monsieur le président. Donc, je suis son militant, il me connaît. D'accord. Je comprends. Maintenant, on vous amène à la DDS. Et quelle est véritablement la grande question, la question centrale que les agents vous ont posé pour avancer le motif de votre arrestation? Quelle est la question qui revenait tout le temps? Alors, ils m'ont posé la question à moi ou bien ils m'ont posé à qui? À vous. La question. Au sein de la DDS, oui. À moi, monsieur le président, ces gens-là, ils ont des questions à poser? Moi, je vous dis que je suis d'Angeli, qu'ils m'ont amené directement après d'Angeli. Ils m'ont laissé la nuit, je suis parti chez moi. De chez moi, là, après 3 jours, ils sont partis me ramasser. Ils m'ont amené en prison. Et de cette prison, ils m'ont jeté dans la prison. Après les jeter, après, il faut les torturer. Il faut les taper. D'accord. Il faut l'attacher. Autrement, je n'aurais pas compris pourquoi ils vous ont torturé alors. Pourquoi ils vous ont torturé? Mais voilà, ils vont torturer.
Bon, ils vont torturer. Il me dit que vous avez de l'argent de Hassan Diamouf et l'argent d'Idriss Déby. Ils disent comme ça. Bon, je dis, écoutez, si vous avez de la preuve d'Hassan Diamouf et d'Idriss Déby, il faut prouver. Allez à la banque, quel genre de virement, quel genre de compte, tout ça là. Donc, ils ont remis des arguments, monsieur le président. C'est des arguments. Si quelqu'un qui veut mélanger des choses avec les autres là, c'est de chercher le problème. Moi, je n'ai rien fait. Dieu parlant, qu'il connaît. Rien fait. Bon, d'accord. Parce qu'on a vu une fiche. Ouais. Et puis, au numéro 74, les motifs d'arrestation, on a dit situation. Des agents traîtres, Zagawa, arrêtés pour complicité, gardés dans nos locaux à la suite du complot ourdi par Hassan Diamouf. Bon, et pour vous, le motif de votre arrestation, M. Goudia, il est avancé que vous êtes commerçant, confident de Hassan Diamouf, complice des traîtres. Très bien. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Président, moi je vous dis une chose. Moi, d'ailleurs, je ne suis pas militaire. Je suis un citoyen. Vous me suivez? Je ne suis pas militaire, moi. Vous m'entendez, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur? Oui. Monsieur le Procureur. Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bon, je ne suis pas. Bon, je ne suis pas militaire, moi. OK? Je ne suis pas rien du tout. Je ne suis pas fonctionnaire d'Hassan Diamouf. Je ne suis pas fonctionnaire de l'État. Je n'ai rien. Je suis un citoyen. Je devais vivre avec comme tout le monde. Rien. Alors, ils m'ont arrêté en prison. Ils m'ont mis en prison. D'ailleurs, hein, vous voyez, Monsieur le Président, je vous dis, Monsieur le Procureur, vous me suivez? Oui, je vous suis. Alors, bon. J'étais, comme vous avez dit, là, j'étais en locaux. D'ailleurs, ils ont libéré tout le monde. Il y a un liste qui est venu à locaux. C'était libérer tout le monde. Vous m'écoutez? En fait, je citais tout à l'heure une pièce, c'est la cote 20-26-39. Et puis, vous êtes gardé au sein de la piscine, la prison souterraine. Monsieur Goudia, vous occupiez quelle pièce, quelle cellule? Au sein de la piscine. J'ai occupé la première... Ouais. Oh, ouais. La première fois, j'ai occupé la première chambre. La... Encore de cette première chambre, ils m'ont transféré à la cinquième chambre. Moi, je voudrais, en dehors des actes de torture, comment vous supportiez la chaleur? C'était au mois d'avril. Comment vous supportiez la chaleur dans votre cellule? Bon, ça c'est le bon Dieu, monsieur le procureur. Allah. Moi, si j'étais à côté de vous, je vais enlever ma... Là, vous voyez mon dos là. C'est tout est déchiré. Tout est déchiré. C'est comme on dirait que c'est comme on a des chameaux ici. On va le mettre le feu là dans les chameaux comme ça pour que les chameaux ne dispersent. Alors, j'en ai tout mon dos là, comme ça. Je ne le supportais pas. Mais les bons dieux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je suis obligé. Je vais mourir ou bien... Il y a des gens qui l'ont exécuté. J'étais là dans cette situation. Les souffrances, la torture, la tétapage. Tout ça, avec sage, monsieur le président. Les blessures. J'ai un boubou, seul boubou. Que cette boubou-là, c'était vraiment... collé sur moi. S'il l'enlève, comme ça, il le tire, c'est le sang. Voilà. Est-ce que de temps en temps, vous receviez la visite des agents de la DDS au sein de la piscine souterraine, la prison souterraine? Est-ce que vous receviez des agents de la DDS? Non, il n'y en a pas, sauf qu'un gars qui s'appelle Seria, Seria ou infirmier, quoi, je ne sais pas, qui vient là, il raconte sa vie, là, il n'a rien du tout, il veut dire que les gens, comme ça, et tout ça, c'est tout.
Il y a un gars, un personnel qui est vieux, qui s'appelle Abamoussa. C'est tout, c'est ces gens-là qui sont venus. Abamoussa, si quelqu'un qui est mort, il vient de ramasser le cadavre, il va laisser dormir avec nous le matin, qu'il vient de ramasser, c'est tout. Obsérie, là, il vient, qui se dit malade, il va lui donner une injection. Et comme ça, c'est comme ça, il n'y a rien, pas trop de choses. Et quel genre d'injection, et quel genre de repas, et quel genre de tout ça, là. Mais si je vous dis, j'ai en train d'écrire un livre. D'accord. Maintenant, pour Saria. Saria Asnek Dono, qui est un infirmier de la DDS. Est-ce que vous avez vu ce monsieur? Est-ce qu'il il soignait, il prodiguait des soins aux détenus malades? Est-ce que réellement il y avait une visite médicale qui se faisait au sein de la piscine souterraine, au sein de la détention souterraine? Non, il n'y en a plus ici, monsieur, là. Vous crevez. Vous crevez, monsieur le président. Il n'y a rien. Quel genre de visite, là? Il n'y a rien. Rien, monsieur le président. Est-ce que les cellules de la DDS, de la piscine, il y avait des aérations? Est-ce qu'il y avait des aérations qui permettaient un peu de recevoir des bouffées d'oxygène? Monsieur le Président, vous connaissez une piscine, comment ils font? Cette piscine, ils l'ont creusée dans quel genre? Cette piscine-là, ils l'ont fermée en dallage. Après le dallage, ils l'ont construit là-haut. Ça veut dire quelle température qu'ils les laissent à l'intérieur. Et ils ont fermé tout, il n'y a même pas rien. Vous descendez là. C'est comme de malaïka qui viennent les gens qui viennent la nuit. Ils viennent, ils vont ramasser les gens et tout ça. Mais à l'intérieur, vous voyez, c'est sombre. C'est à partir de midi ou à 13h que vous voyez d'abord, c'est un peu clair. Quoi. Mais à partir de 15h, 16h, c'est fini, c'est la nuit. Vous ne voyez rien du tout. Alors, maintenant, je suis devenu presque aveugle. Regardez-moi, monsieur le président. Je suis aveugle. Presque, je fais 4 opérations en France. D'accord. Je comprends. Oui, je vois les séquelles. Mais restons au sein de la piscine. Pour la liberté de culte, est-ce que vous arrivez de prier au sein des cellules souterraines? Prier, il n'y a pas de ça. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'ablution. C'est le mur seulement qu'on le met, on fait le truc là. C'est tout, on le prie. Il n'y a rien. Aujourd'hui, on n'a pas vu pendant presque 5 mois. On n'a pas vu. Depuis qu'on était au souterrain, 3 mois, quelques... Et les repas, comment ça se passait? C'était des repas conséquents, ce qu'on vous servait à manger? Quel genre de repas, monsieur le président? Donnez même pas aux chiens. Les chiens, même, ils ne mangent pas. Maintenant, les chiens qui sont bien là, ils ne mangent même pas cette histoire-là. Une petite boulette. Plein de sable. Si je vous raconte cette histoire-là, monsieur le président, vous ne pouvez pas croire. La petite boulette, d'ailleurs, je n'arrive pas à les manger. Je le prends, il y a une petite boîte comme ça, je vais l'épargner comme ça. Et je le bois. Et le reste en bas, là, c'est tout sable. Pendant 3 mois que je faisais comme ça, j'ai tout ma tête, là, c'est des boutons. Mes yeux, mes corps, rien. Des gens, ils ont perdu leurs dents. Ils n'ont pas les dents. Ils font tout ça là. Alors, c'est comme ça qu'on a vécu, monsieur le président. Ce qu'on vous dit, ça, c'est la réalité des choses. Et maintenant, au sein de la piscine, vous avez passé combien de temps là-bas? Où? Au sein de la prison souterraine, la piscine. Vous avez passé combien de temps? 3 mois. 3 mois à la piscine, monsieur le président. Ah, monsieur le procureur, pardon. Et puis on vous entendez? Oui, je vous entends bien, monsieur Goudia. Après, oui. On vous transfère au niveau des locaux. Oui, locaux. Les locaux se trouvaient à côté de la ST2E. À côté de la ST2E, oui. Comment la cohabitation avec... cette centrale, la cohabitation était-elle difficile ou facile?
Communication comment? Cohabitation entre la centrale de la STDE et la prison, dites les locaux. Oui, bon, ici c'est par rapport au mieux, parce qu'il y a beaucoup de gens ici. Ici, il y a presque 100 ou 200 personnes qui sont dans les mêmes cellules. Et la nuit, là, vous causez, c'est là, ils causent tout ça, là, vous êtes ensemble comme ça. Et dans la journée, ils vous laissent dans la cour. Hein? Si vous voyez des gens dans la cour, dans la journée, monsieur le président, vous pouvez fuir même de ces gens-là. Et vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait la cellule C. Oui. Des locaux. Vous avez passé combien de temps là-bas, la cellule C? J'ai fait la cellule 4 mois. Après, dans le même temps que j'étais resté dans les temps-là, ils m'ont transféré chez Goukouni. C'est le frère de Goukouni, j'étais avec eux jusque 13 mois. Mais la cellule C, vous avez vécu combien de temps à la cellule C? À la cellule C, pendant 2 mois, j'étais resté avec ces gens-là. 2 mois. Après 2 mois, ils m'ont transféré là-bas comme ça. Et quelles étaient les conditions de détention à la cellule C? À la cellule C, c'est comme les gens, ils mangeaient, mais quand même ici, c'est mieux que le souterrain, parce qu'il y a le fût de ces trucs-là ici. Bon, il y a les gens qui, leurs amis, tout ça, là, ils nous amènent un peu de choses comme ça. Bon, par rapport, on se débrouille ici, mais mieux que là-bas. Et quel genre de détenus il y avait au niveau de la cellule C? C'était des civils ou des militaires? Ah, il y a des civils, il y a des militaires, ils sont mélangés. Hein. Il y a des civils, il y a des militaires. Ils sont mélangés. Hein. Est-ce que vous avez constaté des cas de décès au sein de la cellule C? Oui, bien sûr, c'est fréquent avec nous, c'est fréquent. C'est fréquent, ça veut dire quoi exactement? La périodicité, tous les jours vous enregistrez des morts ou bien c'est... Oui, procureur, monsieur le procureur, il meurt, hein, parfois il meurt, hein, 5, 7, 8, il meurt la nuit, surtout, il meurt. Hein. Parce que les gens, ils sont faim, les gens, ils n'ont rien. Et donc, les mères et tout ça, donc, on a instauré, c'est moi avec les frères de Goukouni, on a instauré les gens qui, si quelqu'un qui est mort, il prend dans son habit comme ça, on va les jeter. Moi, je te dis, écoutez, un peu, il faut faire. Il y a des sacs vides de riz, de 50 kilos là. Donc, je dis qu'on va les laver, on les met 2 sacs, un par là, on l'attache comme ça, il faut prendre les cadavres. C'est comme ça. J'ai instauré ça avec eux, avec quelques temps. Ils ont instauré, mais après aussi, ils ont interdit ça, et c'est tout. Donc voilà. Voilà, monsieur. Est-ce qu'il est arrivé, pour faire appel à vos souvenirs, est-ce qu'il est arrivé que des agents de la DDS se présentent la nuit pour appeler ou extraire certains de vos co-détenus? Non, si vous amène, vous savez, si vous amène à... comment dirais-je, au locaux, c'est comme la maison d'arrêt de la DDS. Vous voyez, la maison d'arrêt de la DDS. Donc parfois, si quelqu'un qui a commis des gaffes, ou bien ils ont constaté quelque chose, qu'il veut venir l'appeler ou bien de le prendre. Sinon, là, bon, vous êtes ici, là, ils vous laissent comme ça. Voilà. On vous a transféré par la suite à la gendarmerie. Oui, de là, ils nous ont transférés à la gendarmerie, une nuit comme ça, à 1h du matin, qui sont venus, ils disent, allez, lavez-vous, tout le monde, pour qu'on évacue tout le locaux. Alors, c'est le pick-up là, qui était fermé, il te met dedans, le paquet est fermé, il te sort, il te tourne comme ça, ils ne savent même pas que tu vas aller où. Ils vont t'amener à la gendarmerie, tu descends là-bas, ils prennent l'argent comme ça. C'est à partir de 1h du matin jusqu'à 4h du matin, il a vidé les gens. Donc, on était, le matin, on était dans un quartier différent, à la gendarmerie. D'accord. Au niveau de la gendarmerie, est-ce que les conditions de détention s'étaient améliorées? Vous aviez trouvé mieux là-bas, des locaux beaucoup plus acceptables? Chez moi, par exemple, à la rapport aux locaux, j'ai trouvé que là-bas, c'est mieux.
Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'est mieux ici parce que le frère de Boukouni, il leur donne le repas qu'ils vont les préparer. Et ils m'ont pris aussi, moi, en compte avec eux. Donc on a les mêmes cellules qu'on mange ensemble. Voilà. Donc par rapport, c'est un peu changé, quoi. Vous voyez ? D'accord. Une série de questions relativement à vos biens. Monsieur Goudia, avez-vous perdu des biens lors de votre détention ? Pas du tout, pas du tout, monsieur le président. J'ai des maisons qui sont allouées, chez les Européens, et les gens de la DDS, ils sont partis à la Banque mondiale, par exemple. Et la Banque mondiale du Tchad, ils sont chez moi. Hein, ils sont partis, ils pensaient que les gens, comme ils sont en train de le faire, ils sont partis les demander de l'argent, des loyers. Alors, ils ont dit que dans votre pays, est comme ça. Il y a des gens, leurs enfants qui sont là. De M. Goudia, donc il a les contrats avec nous, il n'est pas là. Si vous l'avez tué, que ces enfants qui sont là. Donc, si vous êtes venu encore, ils sont partis, ils sont taillés. Mais je n'ai rien perdu, M. le Président. Parce qu'en fait, on a retrouvé un procès-verbal dit de recensement. La cote D35, 2035/25. Dans ce procès-verbal de recensement, Omar Goudia, vos biens en faisaient partie. En dehors de ceux, bien sûr, de Hassan Diamous, Idriss Déby, Mohamed Ibrahim Itno et consorts. Et vos deux villas de la rue des 40 mètres et de Clémat ont été recensées. Est-ce que vous aviez des biens au niveau de Clémat et de la rue des 40 mètres? Oui, j'ai des biens à Clémat, mais ils n'ont pas pris, hein. Ils n'ont pas pris, monsieur le président. Non. On a vu même qu'ils ont recensé vos meubles, c'est-à-dire votre lit, vos armoires. Ils ont recensé, mais oui, il y a qui a écrit, mais moi je n'ai pas écrit, mais les deux villas, ils sont là, qui louaient, moi j'ai loué, j'ai un contrat avec ces locataires, et je suis sorti aussi, j'ai trouvé mes locataires qui sont venus me rendre visite, et ils m'ont, après ça, ils m'ont payé même l'argent. Non, parce que la vie, aujourd'hui la vie est demain, hein, on n'est plus là, monsieur le président, on ne peut pas mentir comme ça. D'accord, pour ces biens, en dehors donc de ces biens meubles et immeubles, vos comptes, les comptes, oui. En dehors du fait qu'ils ont été bloqués, aucune somme n'a été retirée. Mes comptes personnels. Oui. Oui, mes comptes personnels, je vous ai dit que j'ai de l'argent dans ces comptes-là, j'ai 450 millions dans ces comptes-là. Avant les événements, les 450 millions, c'est de l'argent, beaucoup. Hein? Donc, ils ont fait un chèque de 150 millions, ils ont un chèque de 70. Vous êtes avec moi? Vous avez dit que cet argent, c'est votre argent, qu'il n'y avait même pas de prêt. Personnel. Comment vous avez gagné cet argent? Mais je gagne, moi je suis un homme d'affaires, monsieur le président. Ce n'est pas les 450 millions qui... Pour les hommes d'affaires, monsieur le président. Monsieur le procureur. Un homme d'affaires, il a pour 450 millions. Hein? Oui. Je peux vous dire, non, mais monsieur le président, un homme d'affaires, il a 2 milliards, 3 milliards aussi. Il peut l'avoir. Moi, je ne suis pas un fonctionnaire. Puis, je vois quelque chose qui va mettre une limite pour moi. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que cet argent-là, qui a attiré, les agents de la DDS vers vous, je peux peut-être me tromper. Oui, mais ils ont attiré. Oui, monsieur le procureur, c'est leur problème. Mais moi, je fais l'activité, ça fait 38 ans, activité commerciale. 38 ans, je fais l'activité commerciale. Ce n'est pas 10 ans, 3 ans ou 4 ans pour l'argent qu'hier, que les gens qui ont gagné l'argent. Non! Moi, je suis l'ancien homme d'affaires de la place, connu mondialement. D'accord. Maintenant, vous pouvez demander la BD. Pourquoi ils vous ont demandé tout le temps, pendant deux jours, à la suite même vous avez été torturé, pourquoi ils vous demandaient tout le temps de signer des chèques? Mais si je signe les chèques, là, je ne peux pas être avec vous maintenant. Pourquoi vous tirez cette conclusion?
que si j'avais signé ces chèques, non, mais... je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Monsieur le procureur, je peux vous dire, il faut m'écouter, s'il vous plaît. Ces gens-là, est-ce qu'ils l'ont instauré d'aller prendre l'argent de Oumar? Ce sont des tortionnaires. Qu'ils prennent l'argent des gens, et dès qu'ils prennent l'argent des gens, ils te mettent dans un endroit qui est compliqué en prison à l'intérieur pour que tu vas disparaître. Si tu disparais là, qui va vous dire là? J'ai des amis. J'ai des amis qui sont morts avec cette situation. D'accord? J'ai des amis qui sont morts avec moi. On a un cousin qui l'ont pris chez lui, une sorte de 18 millions. Il n'est plus là, il est mort. Et moi, je lui ai dit qu'il ne fait pas signer. Il est parti signer, ils l'ont trompé. Il dit qu'on va vous laisser le 7 juin. Il n'est pas là. Il a laissé ses enfants à Folet maintenant. Il est là, M. Abderrahmane. Il est là, il est connu de la place. Il est notre transporteur. Moi, si je signe, je ne suis plus là. C'est pas, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire que c'est la DDS qui prend cet argent. C'est les tortionnaires. C'est les tortionnaires qui sont en train de bouffer les gens comme ça. Et personne qui les contrôle. D'accord. Est-ce que vous pouvez signer, vous pouvez citer le cas de commerçant qui a accepté en détention de signer des chèques au profit des agents de la DDS et qui ont disparu par la suite du fait de cette signature? Mais les gens, ils ont signé parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas leurs droits. Est-ce que vous pouvez citer des noms, je veux dire pas. À qui? Les gens qui ont signé? Oui. Les gens qui ont signé? Oui, il y a un monsieur qui est Abderrahmane Kordé, qui l'a signé. Son frère, il est là maintenant. Il est là, témoin, il est là. Son frère, il a signé. Le jour qu'il est parti, ils l'ont demandé. Il a refusé de me dire. Moi, je lui ai dit, écoute, je ne vais pas signer. C'est ces signes-là, les gens-là, ils ne sont pas bien. Moi, je l'ai dit. Et d'ailleurs, moi, si j'ai signé, je ne suis plus là. Et lui, il a signé, où est-ce qu'il est de... hein? Où est-ce qu'il est? Il est mort. Ibrahim Kordé. Abderrahmane ça... Kordé. Il était à la gendarmerie. Et vous ne savez pas, il est mort des suites de quoi? Vous n'avez pas d'informations par rapport aux causes oui, de mort? Ils l'ont mis dans une petite cellule fermée. Ils ont réduit son repas. Ils ont réduit son tout ça là pour le faire mère qui a tout fait quoi. Il a fait comme ça jusqu'il est mort. D'accord. Maintenant, ils l'ont pas donné un fusil. Ils l'ont tué par les trucs comme ça. Les gens disent après là, ils disent après il est là, mais ces gens là ils ont tué les gens comme ça. C'est là. Je voudrais, pour terminer, revenir à vos rapports avec M. Habré. Vous avez indiqué tout à l'heure que vous étiez un militant des FAN, Forces Armées du Nord, à l'époque oui. Quand il était dans la rébellion. Oui. Le 7 juin, il prend le pouvoir, 82. Ah. Est-ce que vous avez eu à militer à l'UNIR, le parti unique de l'époque, fondé en 84? Oui, bien sûr. Je suis dans les partis unis. Je suis les FAN, jusque avant, j'ai la carte à la maison, vous le voyez maintenant. Je suis à la FAN 100%. D'ailleurs, on est au Tchad, on est tous les FAN là, que vous le voyez maintenant, vous appelez les Arabes. Tous les Arabes là, ils sont les FAN, non? Ils sont tous FAN. Personne d'autre endroit. On suivait, ils s'en après. Maintenant, moi, je suivais, ils s'en après, jusqu'à 7 juin 82. J'attendais dehors du Tchad. Réfugiés, Cameroun. J'ai logé là-bas avec de mes amis, ma famille, mes enfants. J'ai mon premier fils que j'ai mis à Maroise. Donc, on attendait les grands à la Mais guise. Est-ce que au sein Pour de vous, lors de votre militantisme au niveau de l'UNIR, vous avez eu à occuper des postes de responsabilité au sein du Parti unique? Oui, je suis à la Nakote. La Nakote, ça veut dire que c'est une truc commerciale, là. C'est comme presque la chambre de commerce. Moi, j'étais là avec eux. Une Nakote, c'est l'Union nationale des commerçants du Tchad. Une Nakote du Tchad, je suis presque vice-président là-bas avec eux. Un des organes affiliés à l'UNIR. Oui, bien sûr, monsieur le procureur. Est-ce que, à l'époque, membre de l'UNACOT, vous vous êtes fait distinguer ou remarquer
par M. Hissène Habré. Oui. Ah oui, oui. Il nous connaît très bien, il nous distingue très bien. Nous aussi, on le connaît bien, on l'estime, notre président. On le connaît bien. Est-ce qu'il était au courant de votre arrestation? Hein? Vous pensez qu'il était au courant de votre arrestation? Ah oui. Parce que je vous dis une chose, monsieur le président. Ça, ils en abrègent, moi, là, personnellement, Oumar Boudjala, au Tchad, personne qui peut m'arrêter sans lui, personne. Vous voyez? Oui, je peux vous dire. Non? Oui, allez-y, je vous écoute. Alors, monsieur le président, je suis connu de la place. Il me connaît très bien. Ma femme, là, c'est une nièce. C'est son nièce à lui, ma femme. Alors, comment il ne me connaît pas? Il me connaît très bien. Je suis son militant en plus. Les jours qu'il sortait de N'Djamena ici. Il est sorti de N'Djamena. Mais est-ce que il vous connaissait personnellement, comme vous l'avancez? Bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'il était impliqué dans votre arrestation ou dans les faits que vous avez finalement vécu? Non, moi je peux vous dire, le président Hissène Habré, moi personnellement, s'il n'est pas au courant, je ne serai pas arrêté. D'ailleurs, il est là, il connaît bien. S'il ne connaît pas, il ne serait pas arrêté, moi. Pas du tout. Il le connaît à 100% qu'il s'est arrêté. Je suis convaincu à 100%. Donc, pour moi, c'est... Pourquoi je ne suis pas parti au Sénégal? Vous me suivez? Oui, je vous suis. Vous me suivez? Pourquoi je ne suis pas parti au Sénégal? Je pars au Sénégal pour dire quoi? Parce que le président... Non, ce n'est pas la peine. Oui. Vous n'êtes pas venu faire le déplacement à Dakar, mais on est en train de prendre votre audition, c'est tout comme. Merci bien. Pourquoi je dis que... Parce que je pars là-bas, je vois le président Hissène Habré qui est là. Jusque là, nous on l'a dit, le président du Tchad, notre président, l'ancien président du Tchad. Mais je ne suis pas parti parce que je parle, il est là, il ne me parle pas, il ne me dit rien. Moi je ne lui dis rien. Donc je dis que c'est inutile que je parle, moi. C'est de là, monsieur le procureur général, là. Nous, on n'a pas laissé quelque chose. D'accord. On ne va pas mentir pour rien. D'accord, je comprends. Ma dernière question, c'est celle de savoir. Vous avez parlé de beaucoup de disparus, qu'il y avait beaucoup de disparus quand vous étiez en prison. Hein? Beaucoup de disparus. Oui, beaucoup de disparus. Ces disparus, c'est du fait des conditions de détention ou bien vous pensez que c'est le régime qui les a... volontairement maintenu en prison pour que ces personnes décèdent. Oui, monsieur le président, tu mets quelqu'un, tu ne le donnes pas à manger bien, tu ne le soignes pas, tu ne t'occupes pas de lui. Est-ce qu'elle peut vivre, monsieur le procureur? Monsieur le procureur, vous mettez quelqu'un en prison, il est là, il ne mange pas bien. Il est là, il est 24 sur 24, il est... Il est en solaire. Ce monsieur-là, il peut vivre comment, monsieur le procureur? Moi, je peux vous dire une chose. Moi, j'étais au souterrain, moi, j'ai vu. Il y a les cellules qui, ça fait 3 mètres sur 2 mètres 50. On est presque 18 à 19 personnes là-dessus. Donc, moi, je n'ai pas vu, sauf il y a un gars qui s'appelle... Maman Sarrière, Maman Bidon, je ne sais pas si vous avez entendu son nom. Les gens, ils les traitaient, tout ça, c'est des méchants. Les gens, ils traitaient que c'était lui. Mais nous, on dit que ce type-là, ce jour-là, il nous a sauvés. Il nous a sauvés. On le tient au souterrain. Les gens, ils meurent.
Les gens meurent. Les gens meurent, pas que les gens qui l'enlèvent pour le tuer. Mais les gens meurent pour la souffrance. Monsieur Goudia, si je vous suis, Omar Sakher Bidon, c'est un agent de la DDS. Oui. Comment vous avez dit que ce jour-là, pourquoi vous dites que ce jour-là, il vous a sauvé? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il nous a sauvé. Mais moi, je vous explique. Je vous explique, monsieur le procureur. Si quelqu'un qui t'a fait quelque chose de bien, là, on ne fait pas l'oublier, même s'il n'est pas là. On était en prison, on était à la DDS, on était au souterrain. Dans une température, si vous avez ouvert la porte, cette chaleur de l'intérieur ne pouvait pas les supporter, monsieur le procureur. Ça dégage là. Et les pourritures de gens qui sont en coma dans quelques temps. Alors, moi, j'étais malade. C'est ce rire-là qui est venu me faire une injection. Moi, je l'ai donné un coup de poing. Il dit, ne fais pas me donner une injection. Allez-y, je ne veux pas. Il est parti à la direction, il est parti dire, Zahir, ce monsieur-là, il veut mourir, il ne veut pas que je le jette. Zahir, là, il courait avec Zahir, avec Zahir, là, ils sont venus. Il a ouvert la gueule. Alors, il dit, écoute, laisse-moi, je vais partir, laisse-moi partir en paix. Alors, il a ouvert la porte, il a vu cette odeur des gens qui est sorti. Il dit, là, il a, comme ça, il a pris sa tête. Là, il a fait comme ça. Ouvrez les cellules. Tous ces 5 cellules comme ça et les 7 cellules comme ça, il les a ouvertes. Cette air-là, tu ne pouvais même pas supporter. Il dit, comment les gens? Les gens, ils vont partir. Les gens, ils ont mort. Là, et là, et là, là. Là, ils criaient comme ça. Non, ce jour-là, c'est comme la fête. Vous voyez la fête de Ramadan, le matin, avec vos enfants, avec vous êtes contents, non? On était contents. Il y a un couloir de 1m20. Ce couloir-là, on est tout le monde, ces prisonniers-là qui sont sortis, ni à ce couloir-là. C'est de là. On connaît celui-là, hey, qui est là, celui-là, c'est comme ça, c'est comme... Mais c'est horrible. D'accord. C'est maintenant qu'on se rappelle de ces gens. Je vous remercie beaucoup, M. Omar Goudia, d'avoir répondu aux questions du parquet général. Je vous remercie, M. le procureur. Merci. Merci, M. le procureur. Bien, le parquet en a terminé, M. le président. Bien. M. Goudia, Oui, M. le président. Les conseils des parties civiles vont disposer donc également de la parole pour éventuellement vous poser des questions auxquelles je vous invite à répondre. Merci. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Goudia. Bonjour, Monsieur l'avocat. Voilà, je suis Maître Yarefal, je suis un des avocats des parties civiles. Bonjour, Maître. La première question que je vais vous poser est celle de savoir dans quelle banque vous aviez ouvert vos comptes. Est-ce que c'était des banques publiques ou des banques privées? C'est les banques publiques. On était à la BTCD de N'Djamena. Vous connaissez, monsieur le procureur, monsieur le maître. C'est la banque de la BTCD à N'Djamena. C'est connu. Banque publique et banque privée, c'est des banques qui appartiennent à l'État ou bien à des privés? Non. C'est des banques qui n'appartiennent même pas à l'État. C'est des banques privées. Les banques, ils sont ouverts. Ils reçoivent tout le monde, tous les clients. Donc, ce sont des banques privées. Alors, ouais. Comment ça se fait que dans une banque privée, que les autorités de la DDS aient pu avoir des informations sur votre compte? Parce que normalement, un compte bancaire, il est protégé par le secret bancaire. Ok.
Monsieur le maître, maître, vous connaissez bien les systèmes qui étaient passés dans ces pays-là, vous connaissez bien. Je ne connais pas le système du tout. Je ne connais pas le système, monsieur Guida. Non, ça... si vous ne connaissez pas le système, ça veut dire que notre système qui était passé, qui a droit de tout, regarde, partout. Personne qui peut empêcher. Personne dans la terre. Il va regarder, voir, et de rencontre. Et ils savent que tu as dans ton compte combien, tu as versé combien. Pas moi seul, vous demandez aux gens qui ont servi, monsieur le maître. Le directeur de la banque ne pouvait pas dire aux agents de l'ADS, je ne peux pas vous donner ces informations parce qu'il y a le secret bancaire. Il est obligé, ils vont les taper aussi. Ils vont obligé, obligatoirement, il va les donner. Sinon, il n'est plus là. Sinon, il n'est plus là. Alors, vous nous avez tout à l'heure parlé de la fameuse 404, n'est-ce pas? De quoi? La fameuse... De quoi? 404. Vous avez parlé de la fameuse... Oui. Alors, moi, je voudrais que vous me donniez des explications sur ça. Pourquoi fameuse 404? Oui, la fameuse 404, parce qu'il s'occupe que des morts. Il s'occupe que des gens détenus. La fameuse 404, c'est ça qu'on dit. S'il vient, il vient ramasser des gens morts, ou bien il ramasse des gens et qu'il l'amène dans les tortures. Ou les... C'est comme ça qu'on l'amène de la fameuse 404, avec Sambo et Abou Moussa. On l'appelait la fameuse 404. Lorsque vous avez été arrêté, vous avez dit que c'était pendant le mois de Ramadan, n'est-ce pas? Oui. Quand vous avez été en cellule, vous avez pu terminer le Ramadan? Comment? Quand on vous a emprisonné, est-ce que vous avez pu terminer quand même le mois de Ramadan en prison? J'ai fini le Ramadan pendant 2 ans. Je n'ai jamais coupé un jour, malgré les souffrances. Si tu, même si j'ai coupé, je mange quoi? Je mange rien. Vaut mieux que mourir, carême. J'étais là, je n'ai rien à manger. Je vous remercie, monsieur Goudia. Merci, maître. Merci, maître. Bonjour, monsieur Goudia. Bonjour, maître. Oui, je fais partie, je m'appelle maître Sall, Fatimata Sall. Je suis, je suis un de vos conseils, partie civile. Oui. D'accord. J'ai quelques questions à vous poser, donc relativement à votre arrestation. Vous avez été arrêté le 17 avril 1989, donc après la sortie de, du président Déby et de Itou. Oui. Et que le motif de la DS, le procureur vous l'a rappelé tout de suite. Hein? Le procureur général vous l'a rappelé tout de suite. Pour la DDS, vous êtes vous faites partie des traîtres Agawa. Et un confident à Hassan Diamous. C'était ça le motif de votre arrestation. Quels sont vos liens de parenté avec Hassan Diamous? Mais voilà, maître. C'est de là que c'est des amalgames, les gens qui font des amalgames. Hassan Diamous est militaire, il est chef d'état-major. Bon, le lien qui entre avec Hassan Diamous, moi, je suis Zagawa. Je suis la tête de Zagawa. Mais entre Hassan Diamous et moi, c'est la femme d'Hassan Diamous. Et ma femme sont de même père, même mère. Bon, ou bien on peut passer, on n'a pas le droit de se marier, je ne sais pas moi. Donc c'est de là mon lien avec Hassan Diamous. Ni du tout. Ouais. Ça me satisfait comme ça. Et donc avec ça. Je vais vous poser d'autres questions. Et pourquoi donc, pourquoi reliez-vous votre arrestation au président à Abré? Pourquoi? Parce que vous avez dit qu'au Tchad, une mouche n'ose pas voler sans que Abré soit au courant. Donc vous oui, reliez... mais le président. Attendez, je vais poser ma question. Vous dites que c'est Abré, c'est Abré qui est responsable de votre arrestation. En quoi serait-il responsable de votre arrestation? Bon, d'accord, merci, maître. Le président, c'est Abré. Il contrôle tous ces pays-là. Partout. Et moi, là,
Je ne suis pas un gamin, moi, je ne suis pas un gars comme ça. Et c'est la vraie, je suis son militant. Il ne peut pas m'arrêter comme ça. Pourquoi il ne m'a pas arrêté avant les gens de sortir de Djamouz, de Idriss et tout le monde là? Parce qu'ils sont sortis et je suis tel. C'est pour ça qu'ils m'ont arrêté. D'accord. Donc c'est à cause de ça que je dis ça. D'accord. Est-ce, voilà, que, est-ce qu'on vous a présenté à un juge après votre arrestation? Quel juge, maître? Est-ce qu'il y a un juge? Notre juge là, c'est Abou Moussa et les gens de Bamza, ça c'est notre juge. Et les boudons et les trucs comme ça, ça c'est notre juge. C'est ça, ça, d'accord. Donc vous dites que les conditions de détention, vous avez décrit qu'elles étaient horribles et qu'il y avait beaucoup de morts dans les cellules, surtout à la piscine. Donc est-ce que. Oui. Oui. Et à quel rythme les gens mouraient? Combien de personnes mouraient, par exemple, dans votre cellule par jour? À quel rythme les gens mouraient? Oui. Bon, à la piscine, par exemple, moi, je suis dans une cellule première et après, je suis venu dans la cellule 5. La cellule première, là, je suis venu le même jour que j'étais resté parce qu'il y a deux personnes sur moi. Alors, moi, j'étais resté avec eux presque 20 jours ou comme ça. Ils m'ont transféré dans la cellule 5. La cellule 5 est pleine de gens. La cellule 5, là, il me reste à moins 3-4 personnes. 3-4 personnes. 4 personnes. Ils les prennent, ils l'enlèvent, ils nous laissent la place aussi. S'ils sont sortis, là, ils nous laissent la place. Est-ce que pendant votre séjour dans cette cellule, il y a eu des gens qu'on est venu chercher nuitamment pour les amener? Hein? Est-ce qu'il y a eu des personnes qu'on a extraites, qu'on a eu, j'ai dit, pendant votre séjour à la piscine, est-ce qu'il y a eu des, est-ce qu'il y a eu des personnes qu'on est venu extraire nuitamment pour les amener? Oh, moi, je vous dis, honnêtement, je n'ai pas vu. Moi, personnellement, j'étais à la gendarmerie, ici, à la piscine, personne qui l'a. Moi, je n'ai pas vu. Mais les moments qui sont partis locaux, à partir des locaux qui m'ont amené à la gendarmerie, qui m'ont amené la nuit. Ils m'ont pris la nuit, vers 2h du matin. Ils m'ont amené de m'interroger à 2h du matin. Ils ne m'ont pas tapé, ils ne m'ont pas affrayé, ils ne m'ont pas... Mais... Je leur dis que je ne connais pas ce que vous êtes en train de me dire. D'accord. Pendant 30 minutes, tout ça. D'accord. Dites-moi, voilà, maintenant, qui était chargé de venir ramasser les cadavres à la piscine? Les cadavres, c'était Abou Moussa et Sambo. Mm-hmm. Moussa, là, c'est un vieux comme ça, fatigué, qui a fait les morts même. Et Sambo, qui vient, il le met dans un sac et il prend la personne. Ils vont aller les jeter, ils reviennent, dans même pas 15-20 minutes, ils reviennent. Et les tortures, qui s'est chargé de vous torturer, vous? Qui vous a torturé? Mais il y a les tortionnaires, les spécialités qui sont là. Est-ce que vous les connaissez? Pour le tape. Est-ce que vous pouvez citer des noms? Les tortionnaires? Oui. Les tortionnaires qui sont en train de taper les gens, ou bien les gens, ou bien les gens qui... Oui, je connais, bien sûr, Et les agents, ce sont des gens qui posent des questions aux gens et ils donnent l'ordre de les torturer. Il y a un gars qui s'appelle Salimondé, qui l'a donné une réponse immédiatement. Yamena, il y a un tortionnaire qui est connu par tout le monde. Grand, géant. Si vous l'avez vu, là, tout le monde qui retourne le voir. Sa tête, là, était comme ça. Il est venu rentrer ici, c'est la benne qui s'est montée sur lui dans la rue de circulation. Ta tête là, il est monté comme ça. On a plusieurs mètres. Merci, je vous remercie. Plusieurs. Dites-moi, vous avez dit tout à l'heure, en fait, avant cela, dans les cellules, est-ce qu'il y avait des toilettes ou est-ce que les prisonniers faisaient leurs besoins? Ah, mon cher, quel genre de... vraiment, maître aussi. Vous nous amenez loin comme ça. Quel genre de toilettes? Quel genre de choses? Il n'y a rien. Rien du tout, maître. Et d'ailleurs, moi, je vous raconte l'histoire, maître. Vous avez posé une question importante, cette question. Je peux vous dire quelque chose? Oui, je vous écoute. Je suis rentré dans ces cellules-là, maître. Je peux vous dire... Ce cellule, il a un petit trou. Il y a une boîte. S'il y a le besoin que vous faites dans la boîte là. Moi, j'ai fait comme ça. Seigneur de Allah,
Mais bon Dieu, ne fais pas que tu me mets devant ces gens-là. Devant ces gens-là que je veux être là, comment? Il n'y a rien à manger. Rien. Je peux vous rencontrer, maître. Pendant... C'est horrible, là, je peux vous dire. Les 3 mois que j'étais resté dedans, je n'ai jamais resté devant les gens. Je pisse, mais je n'ai rien dans mon ventre pour faire ça. Je vous rencontre, je vous jure. Je n'ai jamais devant ces gens-là que j'étais resté. Jusqu'à ce qu'ils m'ont déplacé au locaux. D'accord. Et c'est partout. Tout de suite, vous avez dit, lorsque monsieur le procureur général vous posait une question, que lorsque vous aviez été malade, l'infirmier Saria était venu pour vous faire une injection, vous avez refusé. Pourquoi? Oui, je refuse parce que je suis dans quelle situation? La température, moi, il m'envoie de 50 degrés. Ah, la souffrance, pas à manger, il n'y a rien. Et il est venu m'injecter. M'injecte quoi? Vous n'avez pas donc, confiance? Je dis, Saria, je veux pas que... Vous ne faisiez pas confiance à Saria? Pas tellement de confiance aussi, mais maître, il va me donner quoi? Ah, je dis la température, bien même c'est très forte, mais qu'est-ce qu'il va le faire descendre? Je faim, j'ai soif, j'ai tout. Et il veut m'injecter, quel genre d'injection? Je dis, ne fais pas me toucher. Il refusé. Est-ce que l'infirmier Saria, parce que bon, comme vous étiez malade, si quelqu'un, normalement, quand vous êtes malade, si quelqu'un vient pour vous soigner, bon, il est le bienvenu, mais vous refusez. Est-ce qu'il a eu à faire des injections avant ça sur d'autres personnes? Et... Non, moi je ne l'ai pas accusé, je ne l'ai pas accusé que pour que tu les gens comme ça, non. Mais ça veut dire que l'injection qui n'a pas de sens, maître. N'a pas sa place. Il faut donner la personne à manger avant de soigner. D'accord. Si tu n'as pas donné à manger, tu vas les soigner quoi. C'est comme ça que moi j'ai revisé. D'accord, monsieur Goudia, je vous remercie, j'en ai fini. Merci, maître. Merci, maître. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur Oumar Goudia. Je suis maître Lambi Soudan. Bonjour. Avocat des parties civiles. Bonjour. J'ai deux questions. J'ai deux questions. Vous avez eu à répondre à plusieurs questions sur les conditions de votre détention, qui sont horribles. Ouais. Je voudrais savoir, vous avez répondu en disant que vous avez eu 45 kilos à votre sortie. Oui. Vous en avez eu combien quand vous étiez rentré en prison? Bon, un gars qui pèse 80 kilos, j'en ai 80 kilos qui sont bien portant, bien. J'ai la photo maintenant que depuis que je suis sorti. La ma sortie de la première jour, j'ai un journaliste qui il est venu, il m'a filmé, je l'ai gardé chez moi, c'est comme un symbole qui est là. Donc je pesais une sorte de 45 kilos. Voilà. Merci. La deuxième question, c'est toujours relative à la torture. Je voudrais savoir, à votre sortie de la prison, vous étiez en mesure de marcher? Oui. Est-ce que vous étiez en mesure de marcher? Non, je n'arrive pas à marcher. Je n'arrive pas parce que c'est le même jour qu'on était sorti. Il y a beaucoup de prisonniers qui sont venus à la maison, qui sont restés. J'ai des amis soudanais qui sont là en prison avec moi. Et ce sont des journalistes. Ils ont demandé des exils à M. Senabré, qui les a accordés au Tchad et il les a amenés au souterrain. Alors, ils sont sortis, on est venu à la maison. Alors, lui, il a faim tout le temps, même jour qu'il est sorti, il veut manger. Les gens, ils amènent de manger, là. Il mange, à 23 les mois. Donc, on l'a amené à l'hôpital, je ne peux pas bouger, moi. J'ai une canne. Je suis parti à l'hôpital pour le voir, pour qu'on récupère ses corps. Pourquoi on amène pour l'intérêt? Mais on a pris de l'hôpital, mais je n'ai pas pu aller à la cimetière. Donc, pour vous dire que je ne peux pas marcher. Donc, de votre sortie de la prison, on vous a porté. Vous étiez porté. Hein? De votre sortie de la prison. Non, je suis sorti de prison, j'ai marché moi, je marche à pied, hein. Je marche à pied, mais je ne peux pas marcher très fort ou bien marcher par là. Non, je marche doucement. Puisque je suis venu chez moi. Mais l'endroit qui était resté, quand j'étais sorti de prison, les gens ils sont venus directement, ils m'ont pris de là, ils m'ont mis dans une voiture pour qu'ils m'amènent à la maison.
Voilà, monsieur le maître. Relativement, une question relativement à votre activité commerciale. Vous avez dit que vous étiez le vice-président de l'UNACOT. Ouais. À ce titre, participez-vous à l'effort de guerre? Hein? Effort de guerre? Effort de guerre. Oui, vous faisiez l'effort de guerre, le temps des ténèbres. Oui, le temps des ténèbres, on faisait l'effort de guerre, on appelle les gens, ils viennent, ils cotisent et tout ça, parce que ça, c'est notre militantisme. On a milité comme ça, vous voyez. Du militantisme, ou c'est par obligation, c'est forcé? Bon, si tu es là avec le président Idriss Hissen, tu es obligé de le faire parce que si tu es militant, tu devais manifester que tu vas travailler bien. Merci, monsieur Oumar Goudja. Merci, maître. Merci, maître. Merci, monsieur le président. Moi, c'est maître Lamina Dintamaji. Bonjour, monsieur le témoin. Ouais. Bonjour, madame. En répondant à la question du parquet, vous avez dit que c'est les tensionnaires qui vous prenaient de l'argent et ce ne sont pas des agents de la DDS. Est-ce que vous pensez que les tensionnaires ne sont pas les agents de la DDS? Oui. Vous m'avez compris? Oui, je vous comprends très bien. Mais ça, je vous dis, parce que je ne vous ai pas dû mettre qu'ils ne sont pas l'agent de la DDS, ce sont les agents de la DDS. Mais ils ne sont pas des responsables de la DDS. Et même qui vient ça, ah bon, je ne sais pas. Ça, à vérifier, parce que je vous ai dit ça, mais il faut aller vérifier. Hein, il vient parfois, bon, ça c'est les gens qui nous disent. Il vient, il prend l'argent des gens, mais avec le responsable, si tu partages, il fait ça, là. Ça, je ne sais pas, maître. Vous me suivez? Ok. Vous avez aussi parlé du fait que vous avez fait les trois prisons, la piscine. Hein? Vous avez fait les trois prisons. À mon avis, vous avez fait trois prisons, la piscine, les locaux et la gendarmerie. N'est-ce pas? Oui, oui. Dans ces trois prisons-là, est-ce que vous pouvez vous rappeler des personnes que vous avez rencontrées, des gens que vous avez côtoyés, vos co-détenus? Oui, bien sûr, maître. Ce sont des gens qu'on les connaît bien, à Yamena, on était ensemble, ce sont des parents, ce sont des frères. On était ensemble. Lesquels, par exemple? Vous voulez que je vous cite tous ces gens-là? Non. Hein? Les gens que vous connaissez, quelques-uns que vous connaissez. Oui, les gens qui s'appellent. Même, je connais ces gens-là. Les guinguins qui sont avec moi, c'est les manguinguins et les autres. Tout le monde, il y a beaucoup, en tout cas. Il y a beaucoup. Beaucoup, maître. Et ceux qui sont morts? Et ils me connaissent tous. Ceux qui sont morts? Ah, ok. Ah, ceux qui sont morts, là, il y en a tellement, il y en a beaucoup, mais ça, je ne peux pas les citer, il y en a tellement, ça, tellement, un maître. Si j'ai en train de les citer, là, je vais passer toute la journée. Hein. Ok, je vous comprends. Vous avez parlé aussi des deux courriers qui sont arrivés, l'un venant de la présidence, l'autre du service de sécurité, demandant à votre banque de libérer de l'argent. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je vous entends bien. Voilà, donc, les deux courriers qui sont arrivés, l'autre est venu de la présidence. Lesquels des deux courriers arrivés au niveau de la banque en premier lieu? Non, il y a un maître, moi, ce que je vous dis, ce que j'ai dit là, il faut bien voir là. Moi, je dis, après l'arrestation, c'est tous les comptes, pas les comptes de Oumar Boukassel, c'est tous les comptes des détenus. Ils ont les comptes, ils ont la première des choses qu'ils mettent les mains sur les comptes. Mes comptes sont bloqués sur deux papiers. Un qui vient de la présidence, il vient qui a de la police. Deux. Mais ils n'ont rien pris. Donc voilà l'ordre qui est donné là pour tout le monde. Mais je ne sais pas maintenant,
l'alerte des choses, mais si ils l'ont donné réellement pour ramasser et tout ça, ils peuvent, mais ils peuvent le ramasser, comment, je ne sais pas, mais Dieu, c'est ça. Voilà. Ok. Vous avez aussi parlé de votre relation avec le président Abré. Vos relations sont seulement d'ordre politique ou bien est-ce que vous pouvez me dire encore plus ample? Est-ce que vous êtes, voilà, vous connaissez même au niveau, vous êtes des amis? Ah, non, on n'est pas des amis. Il est notre président, il n'est pas des amis. Il est le président du Tchad. C'est tous les Tchadiens qui le connaissent, en tout cas. Il faut dire les choses vraies. Mais le président Mitya Hassan Abré, je ne peux pas vous dire personne dans le Tchad qui ne le connaît pas. Et en plus, je vous ai dit que je suis son militant dans son parti. Enfin, c'était un parti unique avant, mais j'étais là, je suis venu. C'est tout la garance dans ce parti-là. On était là. Et ça s'arrête là. Est-ce que vous êtes très proche à lui? Proche comment? Bon, du fait que vous êtes dans le parti, vous vous rencontrez de temps en temps. Non, je ne rentre pas de temps en temps. Je ne suis pas un homme politique, madame. Maître. Je ne suis pas un homme politique. Moi, je suis citoyen, civil. Qu'il pousse, qu'il m'amène, qu'il rentre, je sors. Je suis un citoyen civil, moi. Hein? Okay, et militant. Merci, je suis satisfait de la réponse. Vous avez aussi parlé des tortures que vous avez subies, les tortures à l'électricité. Est-ce qu'il y a d'autres encore? J'ai noté les tortures à l'électricité. Oui, bien sûr, maître. Torture à l'électricité, frappe, déchirure, tout ce qu'il le faut, attache. Toutes sortes d'attaches. Vous avez vu, je ne sais pas, la table où vous avez entendu. Toutes sortes d'attaches. Toutes sortes de tortures. Derrière, dans ma vie, je n'ai jamais vu. J'ai vu. C'est moi. Maintenant, j'ai tout ce séquelles avec moi. Avec moi. Et voilà, je suis là. Merci maintenant. Voilà, maître. Oui, parlant des séquelles, comment vous avez pu vous soigner? Comment vous êtes arrivé à retrouver la santé? Oui, je suis sorti en France de mon propre argent. Frais. Chaque année, je suis obligé maintenant, chaque 3 mois, je pars à Paris. Chaque 3 mois maintenant, en ce moment que je vous parle. Je pars pour faire de la vérification. J'ai mes yeux là, je ne vois pas. Il fallait d'avoir de bons professeurs qu'ils m'ont sauvé. Sinon, je serai avec. Vous voyez, maître, vous me suivez, maître? Oui, je vous suis. Bon, ces deux yeux-là, ils sont devenus presque aveugles. J'ai reçu 2 opérations ici. Tu sais qu'un œil là, pour faire 2 opérations, c'est difficile. D'ailleurs, mes paires de lunettes là. Personne dans la terre qui peut porter ça. Personne. Si je porte comme ça, là, personne dans la terre qui peut porter ça. C'est de là qu'avec ça que je vis maintenant. Mon corps. Mais tout ça, là, je me soigne de combien de choses. J'ai dépensé combien de millions de mon argent propre dans cette histoire-là. Voilà, mais tout ça là, on a... Ok, voilà. Je suis satisfait de la réponse. Dernière question, qu'est-ce que vous attendez de cette chambre, vous en tant que victime? Bon, nous d'ailleurs, on est très contents de la chambre. Nous, les Tchadiens en général, très contents de la chambre. On n'a jamais pensé qu'on va arriver à cette stade-là. Mais, Dieu merci, la chambre africaine, vous l'avez, les gens l'ont restaurée, et vous êtes là-dessus, ça nous fait beaucoup plaisir, je vous jure. Moi, ça dit qu'en moi, est-ce que l'Afrique a fait quelque chose?
comme les gens avant ils disent que le Sénégal, comment dire, l'Europe, cette histoire-là, on est en train de faire chez nous, en Afrique. Ça nous fait plaisir. Des juges africains, des juges noirs, des juges qui sont en train de rendre les choses réellement. Je suis fait votre. J'enregistre. Si on a fini, là, j'ai dédicacé. J'enregistre votre intervention de chacun. Merci, M. Goudia. Voilà. Je vous... Merci, M. le voilà. Président. Merci. Maître, vous pouvez intervenir. Bonjour monsieur, je m'appelle Georges-Henri Bautier, je suis avocat à Bruxelles et partie civile. J'ai deux petites questions à vous poser. Vous voyez que les avocats posent des questions normales. La première question, c'est que dans le procès-verbal de votre interrogatoire, vous avez déclaré que vous avez vu M. Issenabré, vous avez dit aujourd'hui non, je ne l'ai pas vu. Mais on vous a tout de même posé des questions à propos de votre arrestation. Et vous avez dit ceci, et ma question cette fois, à qui l'avez-vous dit? Vous avez dit ceci, j'ai été conduit devant Issenabré le 20 avril 89, car il avait appris que j'ai acheté un billet d'avion pour mon cousin Adoun Togoy. En vérité, ce dernier a voulu éviter d'être repéré par la DDS. À qui avez-vous fait cette déclaration le 20 avril? Oui, maître. Je vous y vais bien. Si je vous dis que je ne vous ai pas vu Issenabré, je n'ai pas vu Issenabré. Non, ça c'est clair. Mais pour Adoun Togoy, effectivement, Adoun Togoy, il est là, il est vivant. Il est parti à Marois, je l'ai acheté le billet, il m'a donné l'argent, c'est lui son argent. Et je l'ai conduit à l'aéroport, je l'ai mis dans l'avion. Pourquoi? C'était à l'époque, nous à Marois, on est tous les militants d'Issenabré. Mm-hmm. On attendait Issenabré. Donc on attendait là, c'est de là, après la sortie de Gound. C'est que je dis ça, vous voyez? Oui. La sortie de Gound, qu'il est parti à Marois, que je fais ça. Et après ça, je mets un tourbillon dans l'avion et est parti. Et c'est tout. Et vous croyez que c'est le prétexte pour votre arrestation? Quel genre de prétexte? Quel prétexte? Le fait d'avoir acheté ce billet d'avion. Est-ce que c'est ça? Non, mais c'est un frère. C'est un frère, il est parti là-bas et... Et donc, je suis parti de l'intervenir pour le faire un service et tout. Maintenant, monsieur, on vous entend bien tout à l'heure au moment important où on vous a posé la question de savoir si monsieur Issenabré connaissait votre arrestation et s'il était éventuellement à l'origine. Vous avez dit, je crois que j'ai entendu, oui, il était au courant. Pouvez-vous nous répéter que... manifestement, M. Abré était au courant qu'on allait vous arrêter et qu'on avait été dans les deux banques dont on a parlé tout à l'heure pour voir ce qu'il y avait dans les comptes et pour voir justement comment enlever l'argent de ces comptes. Bon, maître, je peux vous dire, mon arrestation, M. Senabré, il est au courant 100%. Vous voulez que je vous répète ça? Pourquoi? On ne l'a pas entendu. Donc moi, je suis, arrêté par l'ordre de... Je suis arrêté par l'ordre de Issenabré, moi. OK? Oui. Je suis arrêté par l'ordre de Issenabré. Parce que si ce n'est pas l'ordre de Issenabré, personne qui peut m'arrêter. Pourquoi il m'arrête? Qu'est-ce que je fais? Vous m'entendez ou vous m'entendez? Je vous entends. Je vous entends. Et je vais vous poser deux dernières questions. Vous avez parlé de votre arrestation le 17 avril et de votre arrestation le 20 avril. Vous avez dit quelque chose de très émouvant à propos de cette arrestation du 20 avril, puisque, et c'était là votre colère, votre épouse, vu la violence, vu l'incursion des gens, qui était enceinte, a perdu son enfant. Vous n'en avez pas parlé aujourd'hui. Pouvez-vous nous en parler ?
Bon, ça c'est, je ne vous ai pas parlé, parce que ça c'est, on a parlé ici à Djamena, et avec des tortionnaires, que les tortionnaires qui sont sur place, ils sont là, devant moi, ils sont devant eux, je n'ai pas inventé, qu'ils sont là parce que c'est à cause des tortionnaires que ma femme qui a perdu un enfant. Je ne vais pas chanter, tout le monde qui a. Et là, devant le juge ici, que je dis ça là. Et ces tortionnaires qui sont condamnés là, ici, à Djamena. Ce n'est pas devant. C'est vrai que ma femme a perdu un enfant. Non, j'ai dit que c'était là. À Djamena, ici. OK? Vous avez, oui, je vous remercie. Vous avez, dans la fin de votre déclaration, parlé de la manière dont la nourriture, et vous venez d'en reparler, avait été en quelque sorte ingurgité. Vous avez aussi des personnes qui vous ont connu dans vos centres de détention. Alors pouvez-vous nous confirmer que vous avez bien vu un certain monsieur, je m'excuse pour la prononciation, Djalal, veuve d'Ismaël Hachim Abdallah, qui a été raté en 89 et détenu à la DDS? Est-ce que vous vous souvenez de cette personne? J'ai mal écouté ce qui est la question. Je n'ai pas écouté bien. Qu'est-ce qu'il vous disait exactement? Non, je vous répète que la veuve d'Ismaël, Hachim Abdallah, qui est arrêtée en 89 et détenue à la DDS, a subi des tortures. Et elle cite Oumar Goudja comme témoin pouvant citer les auteurs des arrestations de son mari. Qui? C'est Hachim qui a cité oui. Ça ou c'est moi? Non. Bon, si c'est Hachim qui l'a cité, ça c'est bon, il l'a cité, mais moi je n'ai pas cité autre chose. Avec Hachim, on était ensemble, justement, d'ailleurs. On était ensemble, on était en prison ensemble. Monsieur le témoin. L'avocat oui. dit que la déposition oui. de cette dame-là, Hachim, elle a dit oui. vous avoir vu. Ah. L'avocat souhaiterait. Ah. Éventuellement, si vous avez vu, vous l'avez aussi rencontré en détention. Est-ce que vous l'avez vu en détention? La femme de Hachim? Oui. Oui, la femme de Hachim, je l'ai vue en prison. Elle était là avec nous, elle était là, la femme de Hachim. Non, c'est sa sœur, pardon, maître, mais président. Oui. C'est sa sœur qui était en prison, je l'ai vue en prison, c'est sa sœur. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle sa sœur qui est en prison? Celle qui est en prison, il s'appelle Madina. Ok. Il s'appelle Madina, la sœur de la femme des membres à Ismaël Hachim. Ok. Il s'appelle Madina. Êtes-vous satisfait? Oui, c'est okay. ça que je voulais savoir. Dernière question. Vous avez été réinterrogé à la DDS. Et je lis ceci, vous avez été interrogé 2 jours sur votre connaissance de Brahim Mahamat Itno et d'Assam Djamous. Et vous nous avez bien dit que l'épouse d'Assam Djamous est la sœur cadette de votre épouse. Quelles questions vous posait-il précisément au moment de ces interrogatoires musclés à la DDS? Oh, je les ai dit, la femme d'Azan, ils m'ont posé ça. Je dis que la femme d'Azan Djamous, c'est avec ma femme, c'est la petite sœur de ma femme. C'est la petite sœur directe de ma femme. Et sinon, on a d'autres. Hein? Ils ne vous ont pas posé d'autres questions sur ces deux personnes, sur Itno et Djamous? Oui, ils m'ont posé sur Djamous, sur Itno, tout le monde, ils ont posé ça là. Mais je les ai dit que pourquoi vous posez ça? Parce que vous savez que je suis un Zagawa. Et c'est là, ils sont Zagawa, vous me posez la question. Sinon, je ne suis pas militaire, je ne m'avais pas arrêté au terrain, je n'ai rien. Et vous me posez la question. Donc, Hassan Djamous, il est chef d'état-major. Le Mirai, maintenant, il est le ministre de l'Intérieur, avant qu'il sortait. Le président Idriss, il est top. Alors moi, je dis que pourquoi vous posez la question à moi? C'est ça que j'ai dit, ça. Dans la déclaration, moi, j'ai dit ça. Je vous remercie. Une toute dernière question, monsieur, en vous remerciant d'avoir répondu à mes questions. Une toute dernière question. Vous n'êtes pas
pour le moment au Sénégal, vous n'êtes pas à Dakar. Nous sommes dans une salle d'audience où il y a un muet, mais il n'est pas tout à fait muet. Monsieur Abré, quand vous parlez, agite du pied. Quand vous parlez de vous, c'est un petit agitement. Quand vous parlez de torture, ça devient plus précis. Et puis quand vous parlez de l'ensemble de la situation, il bat vraiment du pied. Qu'est-ce que vous avez à lui dire à Monsieur Abré ce matin ? Non, moi je dis à Monsieur Abré, la justice africaine, il peut faire son travail. Si réellement il est appliqué dedans, il va assumer sa responsabilité. Mais s'il n'a pas appliqué, les gens ne veulent pas qu'on vienne. Nous, on ne raconte pas les choses à droite à gauche. Ce qu'on a suivi, on raconte. Mais nous, on remercie la Chambre africaine. On est vraiment derrière la Chambre africaine. On attend notre droit. On attend les jugements qui vont tomber correctement. C'est ça. Je vous remercie. Voilà. Monsieur. Je vous remercie. Merci. Bien, Monsieur Oumar Goudia, là à présent au niveau de Dakar, 12h40 passées, nous avons l'habitude de suspendre notre audience à 12h30, mais nous avons dépassé légèrement le temps. Au niveau du Tchad, ça fait une heure de plus, c'est-à-dire 13h40. Nous allons procéder à la suspension de notre audience comme d'habitude et nous allons reprendre à 14h, c'est-à-dire à 15h, heure du Tchad. Et nous allons poursuivre nos débats, surtout votre interrogatoire, par l'autre partie qui n'a pas encore posé des questions. Donc, nous vous prions de bien vouloir revenir certainement avant 15 heures pour que nous puissions être à l'heure et commencer donc la suite. Je vous remercie. Merci, monsieur le président.